Bonsoir à tous. Alors, du coup, j'enlève la musique parce qu'elle va se mélanger à la musique du jeu qui tourne en fond. Bonsoir, salut l'Exat, comment tu vas? Je suis avec Guillaume qui est là avec moi. Salut Guillaume. Bonsoir. Salut Parasoul. Et ce soir, on va jouer. Tu es de l'autre côté du miroir, exactement. Pour une fois, l'Exot, tu n'es pas avec moi. Ce soir, on va jouer à Mr. Prepper. C'est un jeu que j'avais fait. J'avais fait la démo du jeu il y a un certain temps de ça. C'était plutôt rigolo. Le concept est intéressant. On va jouer un gars qui doit construire un bunker pour se préparer à une guerre atomique ou je sais pas quoi. Sans se faire griller par le gouvernement qui va venir checker qu'on fasse pas de bêtises de temps en temps. Et du coup j'ai invité Guillaume, notre survivaliste. Disons qu'on a des petites private jokes en JDR comme quoi c'est notre survivaliste. Voilà, moi je connais rapidement le jeu, j'ai fait la démo, il n'y avait pas grand chose dans la démo, donc on va probablement découvrir plein de choses. Et toi, effectivement, toi, t'as jamais fait la démo, toi, tu connais pas du non, tout. Non, moi, je connais rien au jeu. Très bien. Donc, je vais préparer. Ah oui, parce que j'ai pas préparé la capture du jeu. Alors, je vais vous faire ça tout de suite. Où est-ce qu'il est le jeu? Bah alors. Bah, je trouve pas le jeu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça commence bien, hein. J'aime bien, décidément, Streamlabs, merci, quoi. Ah, voilà. Fallait juste s'en plaindre. Exactement. Ok, on est tipar, je vais juste, hop, enlever ça, comme ça, je dérange moins. T'as vu, tu vois les dessous des cartes, toi, du coup. Je vois tout. Tu vois comment ça se passe dans le... Oula, ferme ta gueule. Hop, là, tu vois le jeu. Alors, attends, merde, il faut que je me mette comme ça, sinon je vais rien voir. Et le beat du départ, le beat qui lance le départ de la partie. Merci, l'Exot. Nouvelle partie, c'est parti, jour 1, on démarre. La musique est étonnante, genre c'est pas le genre de musique que je m'attendrais dans un jeu comme ça, mais ouais, bon. J'aime bien l'astuce, préparez-vous au pire. Ouais. Ça te met dans l'ambiance parano. N'hésitez pas à dire d'ailleurs si la musique est trop forte, j'ai l'impression, en regardant les niveaux, j'ai l'impression que ça va, mais n'hésitez pas. Après le piano il explose, exactement. Oh mais du coup, tu es repassé... Ah attends, maintenant je dis ça, mais parce qu'effectivement le badge top tipper, c'est... Voulez-vous jouer le tutoriel? On va peut-être refaire le tutoriel, parce que je t'avoue que moi, c'est ça date. Donc, comme toi, tu connais pas le jeu, on va peut-être se faire le tutoriel. Je sais pas ce que t'en penses. Ce serait bien. Ouh, attention. Attends. Lifeless. Filled only with boredom. Propaganda and control. I've tried to escape, and I failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Pas confondre avec Mr. Pepper, évidemment. Donc voici le petit village dans lequel on vit. Et ça va être notre meilleur ami. C'est pas du tout le cas, hein. Ça va être notre pire ennemi. Voilà, donc on a tenté de s'évader, ils ont confisqué notre véhicule, on n'a pas le droit d'en acheter ou d'en louer un autre. Murikaville. Ah oui, je suis en train de me dire, c'est quoi le jeu de mots? Murika Town. Murika. Oh yeah. J'en ai régulièrement faire une brève inspection afin de vérifier n'importe quel objet interdit ou action subversive. C'est la procédure standard. J'aime bien c'est la procédure standard. Je suis sûr que vous y confirmerez que mes visites ne seront qu'une formalité. Gloire au président. Gloire au président.
Une belle dictature. Regarde les panneaux. Ceci est un tutoriel. Attends, oui, j'ai pas regardé. There, here, somewhere. Effectivement, les panneaux, c'est des barres. Alors, ok, alors ça marque WASD, mais c'est bien ZQSD. Je vais peut-être te filer le contrôle aussi des touches WASD, après. c'est pour un C'est pour moment le pointillé. En ça fait, c'est va juste qu'ils n'ont bien, pas changé. Non, mais moi j'ai mis le AZERTY, mais du coup, c'est bien ZQSD, mais hein. il affiche quand même machin. Et déplacer la caméra, on peut aussi clic droit comme ça, et déplacer Mr. Prepper avec un clic. Ok, formidable. Double-cliquer pour courir, ok. Sur n'importe quel objet pour voir ce que... Ok, donc là par exemple, sieste, inspecter. Ah, je le pensais moins complet le jeu par contre. Vous êtes fatigué, machin, faites une sieste, très bien. Je peux pas courir là. Ça va nous casser les couilles. Tu vois, il y a pas mal de choses en vrai, hein. Ça va être assez intéressant. Ok, donc là on fait une sieste, super. Monsieur Proivre, ouais, c'est ça. Vous avez faim, allez manger quelque chose. Ok, on va manger de la soupe. Comment est-ce qu'on mange? Ah, peut-être comme ça. Est-ce que je suis obligé de le mettre dans notre inventaire ou pas? Ah non, on n'est pas obligé. Très bien, ok. Okay. Ceci est votre jauge de préparation. Celle-là, ok. C'est quoi? J'arrive pas à voir ce que ça dit. Non, ok, bon, on s'en fout. Ok. Prépara. Si elle tombe à zéro, vous évanouirez. Ah oui, donc ça doit être en fait une espèce de jauge de vie en fait Ouais, c'est ça. qui mélange notre énergie, enfin notre énergie là plutôt, et notre santé, on va dire. Ok. Restez bien nourri et bien reposé pour la garder élevée, ok, effectivement. Ouais, parce que c'est ça. En gros, l'idée c'est qu'on va devoir se préparer à pouvoir vivre dans le bunker en fait, pour le moment où. Examinez votre nouveau plan d'évasion. Ah oui, parce que effectivement, le but. Attends, est-ce que je. Ah oui, je peux faire ça. Est-ce qu'il va aller lire? Double clic sur l'action. Ouais, ok. Numéro 1, survivre. Ok. Objectif numéro 2, s'échapper. Meilleur plan du monde. C'est ça. Construire un bunker. Ok. Donc là, on a le mode construction. Très bien. Construire. Salut Orchida! Et évidemment, on remercie tous Orchida pour les magnifiques emotes qu'elle nous a fait sur le Discord. Alors, je pourrais malheureusement pas les mettre sur Twitch avant un moment parce que les règles de Twitch font que on peut pas. Mais elles étaient magnifiques. Magnifiques. Confirme. Vraiment Et bien. je vais les mettre sur le serveur Discord et puis je pense que on trouvera bien un moyen de s'en servir. Alors, vous devez fabriquer une échelle. Ok, inspecter. Bientôt, ouais. Malheureusement, je crois que sur Twitch, il va falloir attendre un peu parce que je crois qu'il faut attendre 2 ans. Ok. Il vaut mieux de vérifier le jardin. Ah, mais attends. Il paraît qu'il faut Il faut faire. juste prendre Prendre. Ouais, le prendre le tissu. tissu. Hop. Et Et l'atelier. ensuite, on a accès à l'atelier. Un atelier, le meilleur ami. Un établi, le meilleur ami du prepper. Fabriquer, démonter et travailler. Mais il vaut mieux qu'il reste caché de l'agence. Non, c'est. Ah, c'est seulement 2 mois? Bah, alors ça veut dire que je peux les mettre? Ça fait. Attends, ça fait combien de temps que je suis affilié? Je sais plus, mais j'avais noté. Ok, bah je me suis peut-être trompé. Tu sais, j'avais mis un screen sur Discord du truc. Mais j'ai peut-être fait une. J'ai peut-être mal vu, hein. Mais l'atelier dans le bunker. Mais attends, il faut construire une échelle déjà pour atteindre le bunker. Vous aurez besoin de métal et de bois. Commencez par acheter 8 unités de métal. D'accord. Donc on peut acheter des unités de métal, mais on peut pas acheter une voiture, tu sais, c'est le moment de faire du commerce. Faites une commande, récupérez-la dans 2 heures. Voilà comment ça devrait fonctionner. Je mets le doré. Donc on en prend 8. Ok. On a combien en thunes? On a 50 dollars, hein. 50. On n'est pas très 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 riche. Hein. Bon, en même temps, on vient de s'échapper, Ok, donc. c'est votre niveau de confiance mutuelle avec ce voisin. Ah, d'accord, ok. Sergueï. Ah oui, d'accord, et c'est Sergueï, lui aussi, ça doit être un. C'est pas. On Ah oui. fait pas des achats Au magasin, ouais, t'as officiels, acheté à quoi. Genre, c'est. Sergueï. D'accord.
Confirme 60 jours. D'accord, ok. Bah, on va être large en fait. Ça arrivera bientôt en fait. Si c'est pas déjà fait, on n'est pas encore à 60 jours, je pense, de stream depuis en étant affilié, mais on doit y être presque. Chaque fois que vous augmentez votre confiance, vous aurez accès à des offres plus nombreuses et de meilleure qualité. Ok. Vous pourrez également débloquer plus de commerçants de cette manière grâce à la recommandation des voisins. Ok. Oui, donc effectivement, on voit qu'on a Nancy et le supermarché qui se sont débloqués. Et ça, c'est la commande. Ok. Aller dans la forêt pour trouver du bois. Ah ouais, donc j'adore les panneaux, Elle est c'est où vraiment la des bas. forêt Forêt, ok. Tout le quartier dans le bunker. Ouais, je pense que là, c'est un peu maintenant? grillé. Hein, c'est... Ok. Trois rondins de bois. À l'odeur de l'aventure. Ok, on Y a une prend. Ça, biche c'est derrière un le rondin de bois buisson. ou c'en est un, ok. Donc j'imagine qu'il Y a faut une qu'on. petite biche derrière le buisson Ah oui, bleu. je l'avais pas vu, effectivement, t'as raison. Et on peut prendre ça aussi. Je prends tout. Te manger. Elle a pas vraiment peur. Hein. Trap Aria, ok. Ah ouais. Ouais, bon, en vrai, si on va Tu pas voyais plus faux loin que ça. piège quoi. J'ai vu qu'il y en avait un autre là aussi. Hop, on va prendre. De toute façon, on a besoin que de 3. Attends, il a pas pris? Non, tu les inspectes, tu les prends pas. Ah merde, j'ai fait. Ah oui, putain, je suis trop con. Ah. Là, il y a un chemin, ok. Bon, de toute façon, je pense qu'il va nous dire revenez à la maison, et voilà. Il est temps de rentrer à la maison. Comment est-ce qu'on rentre à la maison? C'est là. Ah, par contre, c'est. Ça fera C'est écrit deux quoi? C'est écrit à mois révolus l'envers. demain. Sérieux? Ok, nickel. Bah écoute, Oh, joli. 2 mois révolus. Ok, oui, donc on va être bientôt à. Je me souviens que nous avions l'habitude de faire des balades en télécabine à travers la forêt. Les dimanches ensoleillés avant la peste, quelqu'un devrait réparer le téléphérique. Et Petite annexe pour avoir Ah des. oui, c'est ma commande, j'ai cru qu'on m'envoyait du courrier. Ok. Et là, on va pouvoir créer. C'est un genre de This War of Mine. Il y a le côté, ouais, visuellement, au niveau du gameplay, ça ressemble un peu, mais c'est pas vraiment ça. Mais oui, il y a un peu, on va dire qu'il y a de l'idée. Ah oui, avec le rondin, on fabrique du bois, ok. Mais en fait, on va devoir se préparer à une guerre nucléaire. On est dans un espèce de pays dictatorial où on a le droit de pas faire grand-chose, et on va devoir construire un bunker. Réceptionnez votre métal, c'est déjà fait. Améliorer votre atelier. C'est là, ok. Et il va faire nuit par contre là. Faut qu'on aille dormir. Et échelle. Et l'échelle, on peut la fabriquer. On va faire l'échelle tout de suite. On va aller dormir juste après si on a le temps. La barre, elle est. Aïe aïe aïe. On va s'évanouir. On va peut-être aller Non, t'as dormir. le temps. T'as la. Il faut Attends. que t'as. Que ta nourriture baisse aussi avant que tu t'évanouisses. Oui, non, mais je veux dire, là, j'ai juste qu'il a. Il a. Ah Alors, oui, il est ok. trop fatigué. Et là, on la glisse ici. Ok. Formidable. Vous avez besoin de lampes pour votre bunker. Mais attends, là, par contre, on va dormir, je pense. Oui. Ah, c'est pas le bon moment pour ça. Alcliglos pour prendre rapidement. C'est quoi? Vous avez besoin de verre. Ok. Donc là, j'imagine qu'on doit avoir. Allons démonter quelque chose en verre, ouais. T'as pas des bocaux sur Si, le. attends, je crois qu'il y a des verres là, regarde ça. Ah, parfait. Ah oui, mais en plus, c'est en surbrillance. Ah oui, formidable. Sans qui a Oh. besoin de verre quand on a des tasses? Ouais, c'est clair. On s'en bat les steaks. Ça, c'est des assiettes en verre, hein, d'accord. Ça, c'est vraiment un truc d'américain, les assiettes en verre. Non, tu me diras, enfin, il y en a aussi, mais je trouve ça nul, les assiettes Gardons. en verre, perso. Non, c'est bon, il nous reste des bols. Et du coup, là, j'imagine, machin, pour les fabriquer. Allons démonter Faut les quelque démonter. chose. Ok, donc comment est-ce qu'on démonte quelque chose? Bah là, t'as les six Démonter ici, ah oui, à bah oui, droite. c'est là, ouais, effectivement. Alors attends, mais Oui, est-ce que je peux faire démonter comme ça? Ouais, ah ça va être oui, plus simple. parfait. Fabriquer une applique, pardon. Ok. On va laisser faire tout ça. Applique. Attends, applique. On va en créer une. Ok. Là, on passe dans ce mode-là. Attends, hop. Ouais, là le perso devient très 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 fatigué. Attends, non, il faut que je la glisse comme ça. Ok. Formidable.
C'est fait. Faut qu'il... Ah oui, faut qu'il y aille, j'imagine. Ouais. Allez, votre réparation diminue. Non mais là, le tutoriel, il me laisse pas dormir aussi. C'est ça. Vous devez aller dormir avant 3 heures. Ah d'accord, ok. Ah oui, peut-être que si on dort pas, il y a un couvre-feu peut-être. Je me souviens que dans le tuto, il fallait ça en fait, il faut le retourner. Tu vois, il faut le retourner, sinon ouais. Le mec il voit notre plan. Ah merde, attends, mais non, mais va dormir. Il voit notre plan et du coup ça le fait chier. Enfin, il nous balance. Et s'il faut mettre le tapis aussi sur la trappe là. Ah, il arrive demain. Oh. Ouais. Du coup, s'il vient de faire des visites surprises, ça risque d'être compliqué, ça. Faudra faire attention à ça, j'imagine. Alors, l'argent va l'argent va bientôt arriver. Vous devez prendre ou cacher les objets suspects. Et là, par exemple, est-ce que je peux recouvrir? Ah oui, d'accord, non, c'est juste... Ouh là là, il arrive! Dépêche-toi! Ah, ouf, tu dois au moins ouvrir la porte. Moi, tu vois que t'as un timer pour ouvrir la porte. Ah oui, effectivement. Et ensuite, comment est-ce que j'ouvre la porte? Ah, il rentre tout seul en fait. Est-ce qu'il y avait encore une affaire? Oh, l'établi! Vite, va cacher comment... l'établi! Attends, comment est-ce que je fais? Cours! Cours! Comment est-ce que je peux le prendre? Oui, prends-le! Vite! Non, l'établi! Ah, je peux pas bouger! Oh non! Putain. Oh non! J'avais pas vu l'établi! Il va nous griller, l'enfoiré. Peut-être que sur un malentendu. Ah, attends, ça sera noté dans le rapport. Ouais, mais du coup, il va nous enculer là. Non, il a dit que c'était un rapport, c'est pas grave. Là, il va rien voir. On a un magnifique tableau du président. J'avais complètement zappé l'établi. Comment ça va? Putain, j'ai cru qu'il allait regarder ton ordi ou. Ah ouais, en fait t'as pas le droit de bouger, bah c'est ouais, vrai que tu vois courir dehors. Bah oui, c'est normal. Qui va te... Qu'est-ce qui se passe? Niveau de suspicion. Ok, oula, d'accord. Il est monté vachement. Hein. Ouais, donc là... Ah, attends, il y a eu un autre... Oula, d'accord. T'as vu? De quoi? Il a remarqué qu'il y avait plus de verre. Trop nombreux. Non, c'est... Ah oui, Ah, d'accord. Et alors, il y a trop de barils et il y a pas assez de tasses. On a pris trop de tasses. Il faudra acheter 3 tasses et enlever un baril. Placez l'établi dans votre bunker. Effectivement, ça va être mieux comme ça. Alors, attends. Ah, il te reste 3 tasses. Faudra les replacer dans le... Ouais, t'as raison. Dans l'établi. Genre, t'as les trois violettes, là. Pourquoi je peux pas? Ah, parce qu'il faut que je le découvre d'abord. Merde. Attends, oui, non, hop. Ok, alors du coup, attends les tasses. On va... J'ai même pas eu le temps de déjeuner. Peut-être que je devrais cuisiner quelque chose. Ouais, alors attends, déjà, on va se mettre des tasses. On va remettre des tasses là-dedans. Il en fallait 3, c'est ça, à peu près, hein, qu'il ouais. avait... Il en manquait juste 3. Les assiettes, par contre, il y en a rien à foutre. Mais... Ouais, il y a rien à foutre. Mais parce que, il y a peut-être... Ah non, je vais dire, il n'y a pas d'autres assiettes, en fait. Je pense qu'il voit qu'on a des bols, il se dit c'est bon. Ouais, ça doit être ça. Cuisiner. Ok. Ajoutez simplement que les ingrédients crus ensemble, faites un peu réchauffer. Et voilà, à manger. Cuisiner rend votre nourriture meilleure. Ah, c'est parfait, t'as 3 myrtilles. J'ai des myrtilles. Bien, si vous faites la cuillère en premier, ok, essayez de commencer par une soupe ou un smoothie. Ben, un smoothie de myrtille. Attends, non, parce que regarde, là, il y a soupe de légumes, on a des recettes, en fait. Ah, oui. Bah, regarde, smoothie ou myrtille. Ah, il en faut 6, j'en ai pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soupe de légumes. On peut faire de la soupe de carottes, je crois qu'on avait des carottes dans le... Ouais. Dans soupe le frigo. De carottes, ce sera simple. Bon, attends, tu sais quoi, je prends tout, on va voir ce que je peux faire avec. Et alors, je vais remettre les myrtilles au frigo, parce que... il me faut de l'eau aussi. Ouais. Recevoir, c'est quoi ça? Ok, ça me donne de l'eau. Cuisiner. Ok, là on peut faire une bonne soupe de légumes. Ouais, une petite soupe de légumes là.
Parce que c'est pas parce qu'on a un survivaliste qu'il faut pas manger healthy. Ça va, pour l'instant, tu Et peux on encore te mange. permettre. Ok, tout est en place, il est temps pour mon plan ultime. Examinez votre journal. Waouh. Compétences. Putain, il y a plein de trucs. Ah ouais, on peut avoir des armes et tout. Incroyable. Je voudrais commencer par examiner mon plan ultime. Celui c'est marqué Attends, survivre. je vais ranger, Empire. ranger la bouffe. Hop. Alors, allons Profite, t'as pas consulter des le. De quoi? en mettre un baril à la ca... mettre un baril dans le bunker. Ouais, c'est vrai, ouais. Lire. Alors, faire pousser quelques plantes dans mon bunker. J'ai besoin d'une source de nourriture. Il est temps de démarrer ma plantation souterraine. L'agent ne serait pas content de voir ça. Oui, bah, on se demande pourquoi. 5 parcelles de terre peuvent être créées à l'établi. 5 sacs de graines, vous en trouverez quelques-uns chez vous. Les graines peuvent également être achetées et échangées. D'accord. Alors, où est-ce qu'on trouve les graines? Je pense dans le sac, dans la caisse à l'extérieur. Ouais, il y a de la chance, oui. Attends, non, je vais l'ouvrir, pas l'inspecter. Eh ben non, c'est raté. Les poubelles, peut-être? J'ai des doutes, mais non. Je me demande si on met des trucs dans les poubelles, est-ce qu'ils le grillent? Ah non, ça, on peut pas l'ouvrir. Là, peut-être. Là. Ah oui. Il y a des graines. Formidable. Ça, c'était quoi, ça? Ah oui, le rapport de l'agent, ok. Très bien. Tu peux aller au fond de ton jardin? Ah ok, bah y a rien de spécial. Placez 5 parcelles dans votre bunker. Hein. Il va falloir qu'on l'agrandisse là parce qu'on n'a pas la place de mettre 5 parcelles. Alors, attends, déjà il faut qu'on fabrique les parcelles. Ah oui, bah non, je suis con, l'établi est là maintenant. Parcelles. Où est-ce que c'était? Parcelles de terre. Ok, on a largement de quoi en faire 5. On a pile poil en fait ce qu'il faut. C'est parfait. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Ah, on a du courrier. On va voir après. Ok, ça c'est quoi? Mais cours, enculé. Chers voisins, vous aimez les fleurs, herbes et autres plantes en général? J'aime la beuh, ouais. Vous avez du mal à vous faire des amis en ville, vous êtes fatigué de la vie urbaine et des hommes sinistres en costume inspectant votre maison, vous aimez la nature, si c'est vrai pour vous, et je suis sûr que ça l'est, s'il vous plaît, venez dans la forêt pendant la journée, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'amical, l'herboriste local. D'accord. Donc là, on a différents, on va se concentrer sur... attends, j'ai peut-être pas pris la lettre en fait, là. Mais il faut que je prenne la lettre. On va se concentrer sur le bunker pour l'instant. Je pense pas qu'on va avoir la place de mettre. Ah oui, alors attends, c'est parce que je voulais regarder. Je voulais voir combien quelle place ça prend. Ah ouais, c'est gros. On va creuser, ouais. On n'a pas trop le choix. Bon. Une fois que t'auras creusé, après on pourra faire plus sur la largeur, l'étage en dessous. Ouais, parce que je suis en train de me dire en fait, est-ce que je peux pas déjà le faire plus large? Je le fais grand comme ça? Ouais, ça va bien. Ça va prendre longtemps, mais... Ça prend 5 heures. Faudra aller dormir après. Ouais. Tu vois où ton calendrier? Calendrier... il apparaissait entre chaque jour, mais je sais pas si on peut le... Ah ouais, c'est quoi ça? Quand tu vas dormir, ouais. Ouais, ouais. On a l'heure ici. Ah, il va se faire tard. On va dormir maintenant, je pense, du coup. Ou faire une sieste déjà, histoire de regagner un peu d'énergie, on finira le soir du coup. Mmh. J'ai l'impression, l'écran devient flou en fait, j'ai l'impression quand il est fatigué. Qu'est-ce que... il a squatté sur... il a squatté sur son lit. Ah oui, une sieste ça te... Ah mais ça tu vois, je peux l'interrompre, donc c'est pas grave. Ah, okay. Ah mais c'est 2 heures pour remettre... Ah ouais, ok, ouais. On va finir ça. Il va falloir construire une autre échelle, j'imagine, du coup. Ouais. On va prendre un peu de soupe. Histoire et de, puis, de se mettre à fond. On va mettre déjà un des barils en bas. T'as raison, ouais. Ça, c'est fait. Baril de carburant. Hop. Attends, parce que c'était marqué quantité sûre. Alors attends, regarde. Regarde le noir. Je crois que c'est le noir qui pose problème. Non.
Non, non, ok, ah non, ouais, quand, non, quand il était sûr, c'est on peut en avoir entre 0 et 1. Et 1. Donc il faut que je prenne le deuxième en fait. Ouais, ouais, du coup, en fait, t'as le droit d'avoir qu'un baril. Ou alors c'était celui-là. Ouais, c'est ça, il en faut qu'un. En fait, on peut regarder sur tous les objets, j'imagine. Regarde. Ouais, peau bleue, quantité sûre entre 0 et 2. Ah bah dis donc. 3, 6. Ah, il faut qu'on ait des livres. C'est-à-dire que. C'est un peu bizarre ça. Ah ouais. C'est une dictature, c'est mais ouais, il faut qu'on soit. Il faut qu'on soit. Éduqué. C'est un peu bizarre. Alors, il nous faut du métal. On a plus de métal. 3. Sauf que. On peut éventuellement démonter un des barils. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Là, on en a un deuxième. Démonter, ça nous donne 5 ouais, métal. 5, c'est pas mal. Ça nous sera largement assez pour faire une échelle. Il faut être, faut avoir de la ressource. Il va nous falloir des appliques aussi. Mmh. Et il faut qu'on se couche avant 3h du matin, c'est ça? Ouais, je pense que t'auras juste le temps de faire, je pense, deux appliques et puis dodo, quoi. Vous devriez aller dormir. Ah bon, bah écoute. Ouais, non, t'as le timer, donc ouais. On va pas prendre de risques. Attends, je pourrais peut-être même... Attends, mais... Ouais, j'aurais presque envie de... Ah, il va peut-être pas venir demain, tu me diras. Non, non, il arrive ok, il arrive le 5. Ok, bon, ça nous laisse... Non, encore celui-ci, demain, puis après il arrive. Ah, mais je vais m'acheter le jeu du coup. Ouais, il est marrant. Hein. Enfin, le principe est drôle. On va manger un peu. Est-ce qu'on a de quoi cuisiner? Je suis pas sûr, là, on a plus grand-chose. Mais de toute façon, je crois que tu peux prendre de la soupe et de l'eau pour faire une meilleure soupe. Ah ouais? Et c'est quoi le truc du milieu là, espèce de sauce? C'est de la... Ah non, je veux dire, c'est de la vodka, non, c'est de la boisson énergisante. Bon, attends, je vais reprendre un peu de tout et on va voir ce qu'on peut faire avec. Je peux double clic aussi, au lieu de glisser. Je sais pas. Parce qu'elles sont peut-être illégales. J'ai pas assez de choux. Ah ouais, peut-être, t'as raison, ça se trouve, c'est ça. Ouais, c'est sûrement ça, en fait. Hein. Ah non, non, parce qu'attends, va sur ta sauce. Non, je pense que si t'as les lunettes vertes, ça veut dire oui, que c'est... Ah oui, non, t'as raison. Ouais. Alors pourquoi elles sont... Ok, je sais pas pourquoi elles sont... Peut-être. Mais je peux rien cuire, là. Enfin, je peux rien faire. Au niveau des soupes... J'ai pas assez de légumes pour faire de la soupe. Bon, c'est pas grave, on va juste se manger une petite soupe comme ça, une soupe en boîte. Ça, c'est un truc de survivaliste, ça. Ah oui. La soupe en boîte. Des soupes en conserve. On récupère de l'eau aussi, parce que... Pourquoi pas. On va en avoir besoin, je pense, pour les plantes. Et il nous faut des appliques. Dans le bidon d'huile. L'eau, ah oui, ouais, sans doute, on doit pouvoir en mettre dedans. Ouais. En ouvrant, ouais. Combien il va nous falloir? On va en faire 4. 4, c'est large. On va voir ce que ça nous donne. On met 1, 2, 3, 4. Attends, je vais mettre après. J'imagine qu'il faudra de lumière quand même pour que ça pousse. Même si normalement avec juste une applique ça pousse pas des masses, mais bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. C'est pas aligné, ça me stresse, on se barre, on s'en fout. On est un survivaliste, on n'est pas un décorateur d'intérieur. C'est ça, faut que ce soit efficace, on s'en fout si c'est pas beau. En même temps tu regardes les murs. Ouais, c'est dégueulasse. Bon écoute, on va gagner de la place, on va tout coller. Là, ce qui me stresse, c'est le petit écart entre le mur et la porte. Ouais, je suis en train de me dire la même chose. Attends, je peux le prendre. On va voir si je peux le caler plus proche du mur. Ouais, je peux. Ah, parfait. Je dirais des petites taupes quand ça rentre dans ton inventaire. C'est vrai. Ok. Et maintenant, des graines. Donc j'imagine ça se plante comment? Peut-être pas comme ça. Si on fait séparer, peut-être planter. Ah ouais. Il va falloir arroser. Ouais.
Arroser. C'est pas de l'eau. Arroser. Ah, il y a une jauge de lumière quand même dessus en fait. Hein. Effectivement. Bon, j'imagine qu'on va peut-être fabriquer des lampes, genre des lampes solaires entre guillemets, tu vois. Enfin, des... Regarde si tu peux déjà mettre quelque chose d'un peu plus particulier. Attends, est-ce que je peux démonter les lettres? Non, je peux pas. Okay. Merde. Bon, oh, bah ça m'a l'air pas mal. Changer de couleur, hein, intéressant. Oh. Attends, si on met. Tu mets ça en rouge. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est sympa. C'est un peu flippant, mais... ok, ça c'est bon. Récupérer 5 sacs de graines. Une herboriste locale peut être rencontrée dans la forêt pendant la journée, autosuffisant, machin, j'ai besoin de constituer une source de nourriture. Donc bah, tout ça c'est lié, donc on va, j'imagine, aller dans la forêt maintenant. Mm-hmm. Peut-être faire une petite sieste avant ou... Ah ouais, t'as raison, ouais. Je fais une sieste sur le canapé, tranquille. Ah, c'est pas un objet sûr, hein. Ouais, il faut un seul canapé. Ouais, deux, c'est suspect. C'est... Ah oui, en fait, ce qui est en orange, c'est parce que t'en as juste ce qu'il faut. Ouais, ah, ça peut-être 3 myrtilles, c'est trop. Je sais pas. 3 myrtilles, c'est trop. Ouais, je sais pas trop c'est quoi le... Allez, cacher les myrtilles dans le... Ah non, je crois que c'est parce qu'elles étaient pourries, en fait. Enfin, c'est qu'elles étaient en train de pourrir, peut-être. C'est qu'il fallait peut-être les consommer plus rapidement. Ça expliquerait, tu vois, les radis qui sont beaucoup plus ternes que les autres. C'est peut-être ça, ouais. Une nourriture pourrie, bon, on va la garder, j'imagine qu'on pourra se faire des trucs avec, mais... Dans le frigo, des choses comme ça. C'est ça. forêt, c'est parti. Faut faire attention aux pièges. Ouais, c'est peut-être pour nous faire peur, ça. Ah, mais du coup, c'était les pas qu'on a croisés. T'avais vu des pas ? On va reprendre des myrtilles. Et puis t'as vu, je crois qu'il y a un truc qui se voit que c'est écrit à l'envers. Attends, retourne au panneau. Je crois que le panneau de dessus est écrit à l'envers, celui du dessus. Non, c'est marqué over there. Over there. Ouais. Marqué là-bas. Vous voulez délire. Ok, ah, alors ça doit être là, effectivement. Into the woods, ouais. Oui, ça doit être ça, ouais. Alors attends, on va... Merde. On va tout prendre, hein, parce que... On est là, autant tout prendre, ouais. Les myrtilles, les boudoirs. Putain, ouais, ils sont carrément au milieu du chemin, quoi, les biches. On pourra peut-être chasser après, si on a des armes. Je pense, ouais, vu que tu peux aller, vu qu'il y a des biches et tout, je pense pas qu'elles sont juste là pour te dire bonjour. Ouais, je pense pas qu'effectivement les devs ça serait fait chier à les foutre des biches. Ok, donc c'est par là. Ah. Oula, c'est quoi ça? Fuck the government. On va ouvrir. There, over there. Les panneaux, décidément. Un appât toxique. Un appât pour animaux. Ok. Bon, ça pour les animaux rares. Ah, on a plus de place, merde. Trop lourd, quoi. En même temps, j'ai 150 000 rondins sur moi, donc... Si. Club de chasse, tout ce que la nature sauvage de Miracleville a à offrir. Un gibier frais, différents animaux abattus en liberté et en respectant l'éthique. Si vous voulez chasser vous-même, je vous propose un large choix de pièces et d'appâts. Lavinia. Ok. Intéressant, je dois inspecter ces produits. Bah, j'ai... Ok. Elle nous a offert un free sample. Par contre, ouais, c'est un peu... en fait, je vais peut-être remettre les appâts pour l'instant, je pense pas que je pourrais m'en servir. Et ouais, de toute façon, ça me ouvre pas beaucoup de place. C'est le rondin qui me prend beaucoup de place. Bon, j'espère que ça me fera... J'aurai quand même de quoi prendre les graines. Où est-ce qu'elle est, là, dis donc Niveau 1, 3... Ah. Ah, bah elle est là. Avec la silhouette. C'est quoi le truc au milieu du chemin là? Oh mince, je me cachais pas, je cueillais juste des baies. Bob, ça va? Moi, Bob? Ah, mais c'est une vieille mamie. Bonjour, bon tonneur, je savais que tu viendrais. Tu sembles être un jeune garçon fort et intelligent. Ça fait un moment que personne ne m'a appelé jeune. Et vous êtes? Oh, parle de mes manières, je m'appelle Jenny, c'est moi qui t'ai envoyé la lettre. Désolé pour tant de secrets, mais on ne peut jamais être trop prudent par les temps qui courent. Oui, bah, c'est clair. Tu peux généralement me voir dans les heures à cette heure-ci.
Dans les environs, pardon, à cette heure-ci. Je suis herboriste, en contact pour tout ce qui concerne les plantes. Les gens m'appellent Prepper, ravi de vous rencontrer, madame. Oh, juste génie, s'il te plaît, et permets-moi d'en venir au fait, j'ai besoin de ton aide. Oh merde. Tu vois, j'ai cette cabane confortable dans les bois, mais je ne peux plus y accéder actuellement. Il y a un méchant loup qui traîne constamment autour, j'ai tout essayé. Il ne s'est pas fait avoir par mon paquet d'herbes toxiques cachées dans une saucisse délicieuse. Peux-tu t'en débarrasser pour moi? Un loup et une cabane dans les bois. Une capuche rouge et un panier sont-ils nécessaires pour cette mission? Je suis intrigué. C'est quoi ce levier? Tu es ravissant en juif, mais je ne suis pas fan de la mode. Aide-moi simplement pour ne pas avoir à expliquer les grandes oreilles et les dents à qui que ce soit. En retour, tu peux prendre tout ce qui te plaît dans les matériaux restants de la cabane. J'ai bientôt besoin de me réapprovisionner de toute façon. Voilà, et une fois que j'aurai récupéré ma cabane, nous pourrions faire des échanges tous les deux. Est-ce qu'on a un accord? Nous en avons un. Je vais m'occuper du loup. J'entends ça, Bob. Ah, Bob, c'est sa plante. C'est genre... comme le ballon de... nous aurons à nouveau notre cabane. Formidable. Et ça, c'est quoi, alors, du coup? Levier. Prendre. Ah, d'accord. Ah, j'ai pris un levier. Ah, mais c'est le... C'est pour le téléphérique. Oh, oui, d'accord. D'accord, mais alors, c'est où, là? Récupérer 5... Réparer le téléphérique dans la forêt. Ah, oui. Ah, d'accord. Oui, j'avais pas vu le... Effectivement. Faut aller à Der. Qu'on vient de Der. Faut aller là-bas. Une ville où c'est vachement pratique de donner les directions. Va là-bas. Ah oui, non, mais attends, moi je veux juste revenir dans les. Ah, c'est là. Ah, ok. Okay. Donc c'était. Comment est-ce qu'on. Attends, c'est à droite, merde, pour revenir en arrière. À droite. C'est un chemin. Voilà, c'est celui-là. Juste sous la biche. Ah ouais, j'ai vu, j'ai cliqué dessus, j'attends juste qu'il... Ouais. Ah, maintenir la touche contrôle gauche pour accélérer le temps. D'accord, intéressant. Intéressant. Il était où le téléphérique? À l'entrée. C'est à le l'entrée. Gros poteau, là. C'est ça. Si j'ai dit pas de bêtises. Réparer. Tombe bien, on a trouvé un levier. Ouh, c'est long. Ok, il va bientôt finir. Du coup, ça va nous amener dans tous les niveaux de la forêt sans. Non, jusqu'au niveau 2. Ah ouais, d'accord. Tuer le loup qui bloque le passage vers la cabane de Jenny au niveau 2 de la forêt. Alors, comment on va le tuer? Il est bien mignon, lui, mais. De quoi? Avec un fusil. Avec un fusil, ouais, mais on n'a pas de fusil. Avec un fusil. Et pourquoi pas avec un appât toxique, là? Ouais, ça peut être un peu intéressant. De toute façon, je vois même pas où il est. Qui bloque le passage. Mais je pense qu'il faudra. Touche pas au loup, bah désolé, c'est la mission. Matériaux de base. Ah bah attends, mais il y a même plus d'appât. Il est où l'appât toxique? Je l'avais peut-être gardé déjà, non? C'était pas là, c'était ailleurs. Il était pas là dedans? Non, là on vient de prendre. Ah oui, non, oui, pardon, téléphérique, oui, il était pas là. T'as raison. Ah oui, du coup, il doit être par là le loup alors. Mm-hmm. Je vais regarder déjà si on peut. Tu courir tout nu sur un loup. Ouais. Ah, il est à droite, non? Non. Une biche. Ah, ça va être ça. De toute façon, je vois l'heure. Je pense qu'on va rentrer, du coup. Ouais. Attends, on va regarder. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Là. On peut le tuer. Argent, ration de survie. En vrai, tout est intéressant, là. Trop lourd. Bon, c'est pas grave, on reviendra. On reviendra. Il faut qu'on se casse. Attends, j'ai cru qu'on pouvait partir par là-bas. Ouais. On touche pas au loup. Là, on n'a pas le choix, Orchid. Hein. Je suis désolé, mais ce loup va mourir. Ok. On regarde un petit peu les plantes. On peut réarroser, mais je sais pas si c'est nécessaire parce que quand on arrose, ça arrose tout. Par contre, on va peut-être récupérer de l'eau. J'aime bien, c'est écrit une quantité sûre, zéro. Ouais. C'est caché. Ah oui, non, je peux pas le prendre parce que c'est trop lourd. Est-ce qu'on peut stocker des trucs? Alors attends, déjà. Descends ta caisse dans le bunker, comme ça tu peux stocker tout ce que tu veux sans risque. T'as raison. Attends, les rations de survie, c'est peut-être. Si, c'est bon. Il a pas l'air de dire que c'est. Tant que c'est pas, je pense, une arme à feu, ce serait problématique.
peux mettre les rondins direct. Ouais, bah on va peut-être en profiter pour les. Ça prend du poids aussi, ça? Ah non, ça c'est juste des matériaux, ça prend pas de place. Mais les rondins, on va en profiter directement pour les démonter là, je pense. Ouais. On a un peu de temps avant d'aller dormir. Nous faire un peu de bois et ça va déblayer notre inventaire. Formidable! 23h, je pense qu'on va être bon pour aller dormir. Hein. C'est pas demain, hein, c'est après-demain la visite, c'est ça? C'est ça, on a encore cette journée et après on planquera tout avant d'aller dormir. Ok, on a récupéré de la jauge de préparation. Formidable. Alors, commençons par manger un petit peu. On a plein de myrtilles, on va pouvoir se faire plaisir avec les myrtilles. Des bons smoothies. Et profite aussi de manger les radis. Les radis, ils arrivent gentiment à court. Mange les radis comme ça, nous. Bam. De l'eau. Attends, au niveau de l'eau, j'avais. Merde, il me restait quoi? J'ai 5, oui, on va pouvoir aller arroser nos plantes. Elles ont presque toutes poussé. J'espère qu'on récupère des graines quand une fois que c'est. Ou alors que ça repousse à l'infini, tu vois. Enfin, j'imagine, je pense que le jeu va pas nous demander d'aller. Recherche des graines à chaque fois, sinon ça serait pas le magasin des chasseurs. Peut-être qu'ils vont se filer de quoi s'occuper du loup. C'est vrai qu'il y a un magasin. Attends, oui, non, ça serait plutôt ça du coup. C'était quoi? C'était la chasseuse. Elle nous vend juste des appâts de base, donc a priori, les autres maisons. Acheter. Si, regarde si les autres maisons elles ont pas du poison ou un truc comme ça. Ça vend des meubles et le supermarché. Ah non, attends, non, les meubles c'était moi qui pouvais lui vendre. Ah oui, non, on peut rien lui acheter. Et là, c'est juste. On peut acheter des graines. Ah, c'est pas mal ça. On peut acheter des graines ici. On avait autant d'argent? On a. On avait 50 de base. Ouais, on avait acheté je sais plus quoi. Mais c'est les pièces, t'as les pièces. Les pièces. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison, oui. Ok, donc est-ce que on s'achète des graines là ici et puis on fait la grand-mère après, on en profite. Ouais, il nous manque juste des radis. Qu'est-ce qu'on avait quoi? On avait ça, c'était quoi? C'était des carottes, chou. Carottes et choux. Donc là, on peut avoir des carottes, on peut avoir des betteraves. Bon, on va prendre des betteraves. Ouais. On en prend une du coup parce qu'on a qu'une seule parcelle qui reste. Là, t'achètes la betterave, pas les graines. Ah oui, merde. betterave, c'est là. Graine de betterave. Hop. Et en attendant, on va aller régler le problème de la grand-mère. Je vais essayer de retourner là au premier truc où il y avait des appâts empoisonnés là. Ouais. Je crois pas que c'était empoisonné, c'était juste des appâts pour betterave. Non, c'était appât toxique, je crois. C'est vrai? Ouais, je crois qu'il y avait un appât toxique. C'était où? Ça va être là-dedans. Ah non, c'était là. Alors j'espère que ça n'est pas parti, mais. Ça devrait pas être parti. Ah voilà, tu vois, un appât toxique. Exotique. Exotique, pardon, bah, je sais pas lire. Bah écoute, on va prendre les appâts. Et mais puis, autant profiter pour fouiller la forêt et puis regarder s'il n'y a pas éventuellement des trucs qui pourront nous servir. Bah là-bas, j'étais allé à fond jusqu'à la grand-mère. Je pense qu'on va reprendre le téléphérique et puis. Je crois pas, hein. Peut-être, mais. Non, parce que tu vois, c'était. Non, je dis ça en fait. Je dis de la merde. On va. En vrai, on va tenter, hein. On va voir ce que ça donne et puis. On va prendre un anneau. Au pire, on meurt. Hein, et puis. C'est ça. Puis au moins, on aura été libéré du. Par contre, je vais récupérer des trucs pour faire des smoothies.
Est-ce que tu peux sauvegarder? Non. Non. Mais je pense que ça doit peut-être sauvegarder tous les jours, tu vois. Peut-être que ce jeu est tellement gentil qu'il te fera mourir dans notre souffrance. Le plastique, on va prendre parce que c'est cool. Le plastique, c'est fantastique. Tu mets les biches qui te regardent en fond. Ça donne rien à carrer. Ouais, mais ça m'intrigue, il y a Attends, là, le il y crâne à a... Ah, côté si, on avec l'avait une vu, espèce ça, de non? lueur chelou. Ça, ouais. Ouais, il y a... Ouais. Bah, ça, je pense que c'est juste pour dire... tu sais, dans les MMO, t'arrives dans une zone dangereuse, tu vois. C'est ça. le chemin, c'était où? C'était là. Et là, Là. effectivement, Après, un peu bon, on plus sent le danger, là. Hein? droit. Ok, non, je voulais voir si tu pouvais aller plus à droite. Non, je peux pas. La biche qui vient avec toi. Ouais, biche. Alors, est-ce qu'on va mourir instantanément? Il est où le loup? Alors déjà, il y a un truc ici. Ah, c'est un levier, ça. Ouh Je là, il y crois a plein de qu'il est trucs. caché. Ouais, mais je crois que le loup il est caché derrière le buisson. Là. J'ai cru voir Ouais. un truc. C'était quoi, ça? Ah oui, c'est une queue de loup, ouais. Clairement. Ouais, donc on va pas y aller. Bah attends, en même temps je sais pas si on a d'autres choix en fait. Ah, il faut peut-être qu'on pose un appât là justement. Pour essayer de... Je sais pas vraiment comment ça fonctionne les appâts. On va peut-être tenter On va un essayer de truc. ouais, poser un appât pas trop trop loin et puis Ah, c'est la cabane ça, ok. on court très vite. Ouais, bah écoute. On n'est pas normal, je Un pense. appât normal. Ouais. Comment est-ce que ça marche? Ah, mais c'est pour les pièges, donc faudrait trouver un piège en Ah ouais, fait. on n'a pas de piège en fait, c'est ça le problème. La chasseuse, elle vendait pas de pièges. Elle vendait que des appâts. Je crois Mais je pas, elle pense qu'il vendait que des appâts. Ouais. faut Peut-être qu'on se... peut le fabriquer. Ah mais attends, essaye de lui acheter l'appât. Parce que du coup, Ouais. quand tu Ah augmentes tes oui, ça va niveaux, augmenter. t'as des meilleurs trucs. Effectivement. Conseille d'aller voir la grand-mère pour se faire bouffer le cul en passant devant le... J'ai envie d'essayer en vrai, mais effectivement, il va nous chiquer quoi. Il va nous péter la gueule. Mais en vrai, j'ai envie d'essayer quand même. Bon, vas-y. Allez. On est là pour expérimenter. Ah, attends, il se passe un truc. Il a pas l'air si féroce que ça. Ah, ok. Ah, ok, C'est un combat. combat. Cliquez sur le loup pour l'attaquer. En Ok. fait, ça aurait été bien Maintenez d'avoir un contrôle flingue. gauche pour parer les attaques du loup. Ok. Ou éloignez-vous de lui pour éviter ses attaques. Utilisez votre batte pour combattre. On a une batte? Quelle batte? Depuis quand on a une batte? Oh, attendez. Oh, attendez. Vous n'avez pas. Je n'avais pas de levée de main. MDR. Dans ce cas, vous devriez courir. Ah! Le cours! Ok. Donc, il nous faut une batte de baseball. Très bien. Ah, ça, tu peux peut-être la fabriquer avec du bois alors. Voilà, c'était ce que je me disais, ouais. Alors, batte de Ah. baseball, formidable. Fabriquons-nous une batte de baseball. Et on retourne lui péter la gueule. Donc là, pour le coup, désolé, Orchida, on va péter la gueule à un loup à coup de batte de baseball. Putain, j'ai 50 milliards de notifications. Là sur mon téléphone, c'est n'importe quoi. Alors, ça c'est fait. Ok, est-ce que ça c'est récoltable? On Récolter, peut on les peut récolter récolter, là-bas. Je formidable. pense qu'ils sont en train un peu de faner là. Mais on ne récupère pas de graines, je crois. Mais peut-être qu'on peut en Apparemment. fabriquer avec des légumes, non? Ou tu sais, genre, des fois, tu sais, dans les Peut-être. jeux, tu peux. Si tu les démontes. Ah ouais, c'est ça, ouais. Non. Est-ce que là on peut... Faudra acheter à chaque fois des J'ai cru que c'était courgette, non, couchette. ok. Ok. Bon. On se pourrait que la batte de baseball soit légale. Attends, avant Mais est-ce qu'on peut oui. par exemple du coup vendre des trucs? On peut les vendre à quelqu'un, les fruits et légumes, tu vois, ça pourrait être pas mal de pouvoir vendre... Je pense peut-être après quand on Ah, on peut trouvera vendre d'autres ça gens. par contre.
Bon, plume, je pense pas que ça va nous servir à grand chose, à part pas plutôt fabriquer des flèches. Je sais pas trop. 6 dollars. Je nous vois mal avec des flèches. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de plus. On va mettre les légumes et tout au Je vais faire four une au frigo. sieste. Oui, t'as raison. Ça, il reste bien au frais. On va prendre de l'eau aussi pour la sto... peut-être qu'on peut la mettre dans le baril, ouais. Attends, mais j'avais que ça comme eau? J'en ai pas récupéré là de l'eau? Apparemment, il a pas voulu. Ah, mais t'as de l'eau dans le. Ça, c'est dans le dans la caisse. Ouais. Équiper la batte. Ok. Q. Attends, tu peux tabasser le. L'agent. Putain. Le meilleur moyen de se foutre grave dans la merde, quoi. Petite sieste et on va essayer de péter la gueule au loup. Ouais. Et hop, il y a Allez. les graines qui sont arrivées. Ah non, c'est l'argent. Non, c'est l'argent qu'on avait parce qu'on a vendu un truc. La graine, je l'avais déjà récupérée. Non, pas le loup. That fucking wolf is gonna die, motherfucker. Par contre, j'aime bien le. Oh, attendez, vous n'avez pas de batte de baseball? Ça m'a tué, putain. Là. Ok. On équipe la batte de baseball. Et avec peut-être un peu de chance, on va juste le. Juste le blesser, ouais. Non, le molester qui pour le dominer Il s'enfuit, ouais. pendant un loup de compagnie. Ah, j'ai un peu plus de doute là-dessus, mais ok. Pourquoi pas. Ça Je peut être intéressant. proteste. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. On est obligé pour avancer, sinon pas un choix quoi. Allez. C'est bien ça, le. Ouais, Vraiment, c'était vite fait quoi. Ah! Ah! Ah, ok! Ah merde, il faut que je pars. Ah mais attends, en fait, il frappe. Ah ouais, non mais. Mais Oh merde! putain! Vas-y, fume-le! Ouais, par contre, là, c'est chaud. C'est bon. J'espère qu'il n'y en a plus. Putain, mon dieu! Jesus. T'as vu le succès? Un loup, huit Ouais. loups, mais quelle est la différence? MDR. Attends, tu peux pas ramasser le levier là? Prendre. Ok. Peux pas On va fouiller les prendre loups. les. Je crois que j'ai déjà récupéré automatiquement la viande en fait quand il les a tués. Non, on les a pas tués, on les a. Ils On font les dodo. a assommés, ouais. Ils dorment. Crochet. Oh! Attends. Ah, quoi commence à demander? De toute façon, on rentre dedans et pique tout ce que tu voulais, elle a dit qu'on pouvait. Ouais. La dame, elle a dit qu'on avait le droit. Ouais, on va démonter la cabane et tout prendre. Bon, j'espère que t'as fermé les. Ah, bah, elle est déjà là, notre. Putain, elle a Je fait n'ai vite, hein. plus risque. Oh, bonjour Marguerite. Bah, mais moi, nous te remercions d'avoir vaincu le grand méchant loup. J'espère que tu n'as pas été blessé. À peine. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Ah, peu importe, je vous en prie. Et non, ça va. Jenny débloquée. Ok, nickel. J'avais peur qu'on ait à refaire le chemin à chaque fois. Maintenant que j'ai retrouvé ma petite maison et mon atelier, je voudrais revenir à mes petites expériences culinaires. Beaucoup de mes amis de ville souffrent de certains problèmes de sommeil. Charmante vieille dame que je suis, je veux aider. J'essaie certains ingrédients pour préparer une tisane. Non mais ne raconte pas ta vie, on doit rentrer nous, grand-mère. J'ai entendu parler d'un curieux type de champignons en ponction dans la vieille mine juste à l'extérieur de la ville. Peux-tu m'en apporter quelques-uns? J'ai le sentiment qu'ils iront bien dans mon nouveau thé. Non. Ah merde, ah, j'ai pas eu de champignons, ok pourquoi pas. Charmant, attention jeune garçon, la mine est un endroit dangereux. Mais il y a aussi une chance que tu y rencontres une âme amicale. D'accord. En fait, il y a des rebelles du gouvernement partout en fait dans cette. Ah mais en fait, attends, ça, tout ça je peux le prendre ça. C'est quoi ça? Prendre ta téloche, grand-mère? Non.
Oh là, il y a des graines dans tous les sens. Nickel. Ah oui, il y en a partout. Tu peux prendre tes pots aussi? Ah non, tu peux pas les prendre. Il y en a là. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai ouvert ça? Oui, j'avais ouvert. Ok, bah écoute, mamie, Bob, madame, à plus. Hein. Et nous, on se casse là-bas. Et on retourne à la maison. Et là, je propose qu'histoire qu'on se fasse pas baiser demain, ouais. On recouvre direct. T'as rien d'illégal sur toi? Genre de la viande de loup, des trucs comme ça? C'est vrai que c'est une bonne question ça. Est-ce que c'est illégal? Non, je pense pas. Par contre, toi, faut que t'es au frigo. La graine avait l'air particulière. Pardon. Les graines, ouais, effectivement, les graines. Ah non, les graines, c'est ok. C'est ok? Bah, je vois le petit truc vert là. Okay. Donc c'est bon. Même le levier, c'est bon. Le mec, il va se dire, il a un levier sur lui, c'est normal, y'a pas de problème. Comme ça, après, on pourra aller poser le levier au. Les pour pas, réparer la aussi. Deuxième partie. Ouais. Je profite de manger un truc aussi. Oui, t'as raison, c'est ce que je voulais faire en plus. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on se ferait pas un petit steak là? Ah, vas-y. Qu'est-ce qu'on peut se faire avec le steak? Alors, c'est pas du sanglier. Viande de sang. Ouais, bah écoute, ça. ça veut dire, tu vois, qu'on a fait. Tu vois, Orchida, c'était pas des loups, c'était des sangliers. C'est le jeu qui le dit là. Juste qu'on voilà notre perso, il a besoin de lunettes, il avait pas les lunettes, il a confondu. C'est... Aucun loup n'a été blessé. C'était. C'est du gibier. Bon là c'est des vaches, mais on pourrait dire que c'était autre chose, un troupeau de un troupeau de bananes. Non. La puissance du malus d'agent. Vite. Alors, on a fermé. Je pense qu'on est bon là. Oui, tranquille. Mais alors il arrive quand? Parce que peut-être... Ah, il est que 6h en même temps, peut-être qu'il va arriver un peu plus tard. Il dit quoi le journal aujourd'hui? J'aime bien le. Arrache barrage. Oh, putain, ils écrivent plein de trucs, attends. Il y a trop de textes. Qui a peur de la bonne santé des Américains? Un bon sommeil est un travail de citoyen. Ok. À la suite d'un accident inattendu, l'exploitation du grand barrage d'État sur la côte Est sera interrompue. Les ouvriers du barrage ont commencé les travaux d'entretien. Réparations vont faire fonctionner l'unité dans les plus brefs délais. Si les réparations se prolongent, nos fonctionnaires veilleront à ce que chaque citoyen ait accès à de la nourriture et de l'eau potable. Ah, d'accord, donc ça veut dire que bientôt, peut-être ça ne donnera plus d'eau. Ah. Ça veut dire qu'en fait, petit à petit, la situation va s'envenimer et il faut que nous, on soit prêts en fait, à survivre. Ah, c'est vraiment un jeu de... C'est vraiment un jeu pour Texans. Tu sais, je sais pas, bah, t'as vu les Texans là, qui ont subi une mauvaise passe récemment là. C'est exactement, c'est un jeu pour ça en fait. D'ailleurs, j'aurais dû manger quelque chose de frais plutôt. De trucs que les bunkers des Texans, du coup c'était de la merde. Ouais, c'est moi qui t'avais raconté peut-être qu'il y avait. Sur Twitter j'avais vu des histoires de gens qui. Oh, mais il y a de la thune là-dedans. On a même pas fouillé nos propres placards. Non, mais il y a des appâts. Il y a des appâts et tout. Putain, c'est la folie. Est-ce qu'on avait fouillé celui-là? C'est ton ordi. J'ai jamais. Oh, il y avait des graines là-dedans. Il y en a partout, on a acheté des trucs pour rien. Bon, c'est pas grave. Non, on peut rien faire avec l'ordi. Ah, par contre, il nous en faut, on peut pas le virer. Tiens, attends, regardons notre plan génial. Parce que maintenant, on a une source de nourriture. Ok, bah, c'est pas assez visiblement pour. Il faut planter les 5 graines, on n'a pas planté les 5 graines. Ah oui, peut-être qu'il veut qu'on en fasse pousser 5. Si on en a fait pousser 4, on en a pas fait pousser 5. Bon, de toute façon, on va tout replanter. Il est toujours pas passé, hein. Il est toujours. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, putain, il faut que je fasse gaffe. Plantation rapide, c'est quoi ça?
Il va tout planter lui-même. Ah non, il plante juste un truc au pif, j'imagine. Oh, ça fera l'affaire. Je croyais que c'était... Oui, non, je sais qu'elles ont besoin d'eau. Oui, non, mais parce que t'avais pas planté tes 5... Ah ouais, d'accord. Ah ok. Ah oui donc effectivement on avait vraiment pas déclenché le... Par contre il vient pas le mec genre... Envie de le replanquer. Ouais. Attends, reviens là toi. Est-ce qu'on se serait gouré, on a encore un jour? Très étrange. C'est possible mais bon... Ah mais pas tu peux voir son calendrier. Il est juste au-dessus de la lampe. Non, il est bien censé arriver aujourd'hui. Mais ah, il arrive... Et l'eau est coupée dans quelques jours. Ah ouais, d'accord. Donc là, il nous faudra peut-être des récupérateurs d'eau, des trucs comme ça, là. Ouais. Ou des, et je pense qu'il va ou des puits, aussi, ou... Attends, je sais pas quoi. Récupérer un max d'eau pour en mettre partout. Comment est-ce que je peux m'échapper? Voiture, avion, fusée. Non, c'est juste fou. Cours, Pfeffer. Cours. Faire un plan. Inspiration. What? C'est le journal. Attends, j'ai envie de mettre des plumes, on peut peut-être voler. Mais non, ok. Ça marche pas les plumes. Je sais pas, qu'est-ce qu'on est censé mettre là-dedans? Peau de loup? Non. Levier, non. Peut-être qu'on a peut-être pas ce qu'il faut. Trouver l'inspiration pour votre plan ultime. Bon. Parce que pour l'instant, on va... Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était... Ouais. Qu'est-ce que ça peut être... On n'a rien commandé, donc il y a peut-être l'inspiration qui arrive. Ouais, t'as raison, ouais. Je pense à la même chose. Par contre, retourne, c'est parce que si t'arrives, si t'arrives quand il est dehors. Ah bah voilà. Bah finalement, c'était bien la fusée. Par contre, t'as eu un rapport de quelque chose. Ouais, attends, on va lire tout ça après. Mm-hmm. C'est le rapport d'inspection, il est venu, mais sans... Oula. Il arrive à quelle heure? Pas. Ah ouais d'accord, ok. Attends, on va faire le plan après, je vais lire ce qu'on a reçu là. C'était quoi ça? Cher monsieur Prepper, vous ne me connaissez pas, mais vos ambitions ont attiré mon attention. Vous êtes une personne intéressante, monsieur Prepper. Il n'y a pas beaucoup de gens intéressants en ville ces jours-ci. Je sais que votre petite escapade s'est mal passée. Dommage, mais si je pouvais vous faire une suggestion, voyez les choses en grand et ne restez pas attaché à la voie terrestre uniquement. Je vous transmets quelque chose que vous pourrez trouver utile. C'est un design testé et approuvé. Cela peut paraître fou à première vue, mais monsieur Prepper, je sais que vous pouvez le faire. Et n'ayez pas peur, vos petits secrets seront bien gardés avec moi. Et attendez-vous bientôt à d'autres courriers de ma part. Sincèrement, le Minuteman. Intéressant. Ah merde, j'ai pas lu. J'ai cliqué comme un con. Protocole d'inspection des citoyens, équipement standard de la maison. Ah, il nous a fait un petit... Ah ouais. Prochaine visite à effectuer tous les jours, tous les 1 à 7 jours selon le niveau de suspicion. Ah ouais, donc plus, ça sera, plus on sera suspect, plus il viendra en fait. D'accord. Ok. J'ai vu que la peau, on pouvait la vendre aussi. Mais je sais pas si on peut en faire autre chose. Bah, moins de voir maintenant, vous pouvez nous utiliser la peau pour fabriquer des vêtements chauds. Ah oui, bah bien vu. Peut-être pas la vendre tout de suite alors. Mais il vient vraiment pas en fait, le gars, du coup, j'ai l'impression qu'il est 13h. Bah, tu me diras, il a encore le temps de venir. Hein, mais... on a planté, c'est arrosé, apporté 8 champignons de lamina de génie. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on. De toute façon, je dis ça, mais en vrai, qu'est-ce qu'on peut construire? Une boîte en bois, un placard, on peut vraiment se faire une putain de maison en fait en dessous, une couchette. Ah oui bah c'est si on veut dormir j'imagine quand, je sais pas s'il y aura peut-être des radiations à l'extérieur, il faudra qu'on se planque dans le bunker, j'en sais rien. Un piège, ah on peut fabriquer des pièges aussi, d'accord. Ah oui pour faire de la viande j'imagine. Ouais. Ce qui peut être pas mal c'est de faire des trucs de stockage. Ça, tu peux vraiment stocker plein de trucs dans le bunker. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. On met toutes nos graines, par exemple, en bas, là. Mm-hmm. Une boîte en bois. Cacher quelque chose à l'intérieur ou transformer-le en bois, ok. Conçu pour cacher vos trésors. Ça coûte le même prix. Écoute, le placard, l'avantage, c'est qu'on pourra le mettre sur le mur. Ça nous fera gagner de la place. Ouais.
Ah, mais attends, parce que. Il faut que je. Ah, bah oui, il faut que je découvre le truc. J'espère qu'il va pas se pointer. Oh putain, il se pointe. On est bon normalement avec ça. Allez, tout devrait bien se passer. J'ai rien de chelou dans mon inventaire. T'as l'air tout bon. T'as l'air bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, non, bah y a rien de louche ici. Bien sûr que non, y a rien d'illégal. Vous allez voir, monsieur, je me suis même débarrassé de mon atelier comme vous me l'avez demandé. et des deux barils en trop. Mr. Pepper, c'est quoi ce jeu? On est Mr. Pepper. Prepper, pardon, pas Pepper. Prepper. Et nous sommes dans une version dictatoriale de l'Amérique. Gloire au président, bien sûr. Et on veut s'échapper du pays. Et pour ça, il faut qu'on construise. On n'a pas le droit de s'acheter une voiture parce qu'ils nous ont interdit. On a essayé de s'enfuir et ils nous ont rattrapé. Et du coup, on doit se fabriquer une fusée pour s'enfuir du pays. Et on doit se construire. On a un bunker où on essaie d'être autonome. Et on essaie de se cacher du gouvernement qui vient fouiller chez nous de temps en temps. Alors, ça c'est pas mal ça. Aucun objet essentiel manquant. C'est marqué, il viendra à 13h23. Oh oui, d'accord, j'avais pas vu. Ok. Donc là, on a eu la meilleure note là. Nice. Ok, d'accord. Là, on a du détail. Formidable. Bon, bah là, on était parfait. Là, ça a bien baissé la suspicion. On est pas mal. Je peux regarder directement sur le. Ouais. Sur le calendrier. Ça, tu vois exactement quand il arrive. Combien de jours il nous sépare. On est là. Ouais, on a plein de temps là. Par contre, l'eau va être coupée là. Ouais, je pense qu'il y aura un maximum le plein d'eau et tout. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. On va se stuffer. Comment ça, pas prêt. Ah, il faut que j'attende que ce soit au max. On était en train de fabriquer un truc quand il est arrivé, non? Oui, il était un placard. On l'a fini ou pas? Non, il a pas été fini, je crois. Hein. Ça veut dire qu'il faut que je recommence? Ah non, c'est bon, il reprend là où on était. En gros, l'Amérique a fini avec la Corée du Nord. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu le délire. Attends, je peux pas le mettre là? Ah, attends, tu te fous pas de ma gueule? Ah, c'est bon, tu peux le mettre. Mais mets-le sur. Tu peux le poser sur des trucs. Attends, je comprends pas comment il est censé se placer en fait. Ah, mais tu vois, c'est pas une étagère, c'est un placard. Mais même là. Ah ouais, si, il faut qu'il soit par terre. Ah bah ouais, mais du coup, je me suis fait baiser. Mais tu les empileras, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut déjà creuser pour accueillir la fusée. Attends, non, je voulais mettre toutes mes graines ici. Comme ça, ce sera fait. On va mettre la flotte aussi là-dedans. Comme ça, c'est plus ou moins... Enfin, ah non, on l'a pas mis dans le baril. Non, on l'a pas mis dans le baril. J'avais tout mis là. Et là, je vais mettre plutôt mes ressources, genre ça, ça, et ça, non, ça, c'est on va garder. Quoique, à moins d'aller chasser, j'en ai peut-être pas besoin non plus. Mais ça, je pense pas que j'ai besoin de les cacher. Ah oui, non, attends, je suis con, pourquoi je fais ça? Comme ça, plutôt. Attends, je peux pas le mettre, en fait. Ah si, ok, c'est bon. Non, ça va, on a large encore. Je pense qu'on peut les arroser une fois par jour, en fait, ça doit suffire. Mais je peux aller chercher la flotte, là. Mais ça te donne 5 à chaque fois, c'est bien. Je crois que ça donne 5, ouais. Là, niveau flotte, ça va être compliqué. Bah là, on va avoir de quoi tenir là, les prochains jours, mais ça va être vite... ouais. Vite complicado. Tac. Je vérifie qu'on avait rien oublié dans les placards. Non, je les ai revérifiés tout à l'heure en plus. En vrai, ça, je pense que je peux les laisser dans un placard. Ça craint rien.
Et ça nous fera un peu de place. La faim, c'est bon, on pourra manger, on mangera que demain. 19h25, de toute façon, il est tard. On va regarder si on se fait une petite sieste. Et puis, si on peut peut-être aller voir pour les champignons. Quoique non, il va être trop tard, je pense. Ouais, un peu trop de risque. C'est quoi ça? En bonne condition, ok. Ouais, allez, ne prenons pas le risque de rentrer trop tard. Rentrer après le couvre-feu. Par contre, ça va, ils ont le couvre-feu, ça va, hein, c'est 3h du mat, nous, c'est 19h. Après, c'est 3h du mat, si faut que tu dormes dans ta... prep. Aujourd'hui. Ouais, bon, on était à la moitié, on est remonté. Ouais, en même temps, c'est peut-être quand on va dormir et regarde l'état dans lequel on est. Mm-hmm. C'est pas... On pourra profiter aussi de réparer le reste du... Oui. Du téléphérique. Ouais, ouais. Déjà, mangeons. Des smoothies. Ah oui, mais du coup, il me faut de la flotte aussi, c'est vrai, pour cuisiner. Pas pour les smoothies. Hein. Si, pour les smoothies, il m'en faut, je crois. Ah non, t'as raison, oui, c'est vrai. En vrai, les smoothies, c'est la vie, hein. Facile à faire. Au demi-heure, on en trouve partout. Ouais. Ça rend pas le maximum, mais... Tu peux manger une soupe avec. Ah, la soupe, non, la soupe, ça va être... C'est un peu gâché, la soupe, ça rend quasiment tout. Ouais. C'est vrai ? Ouais, presque, genre, c'est... Enfin, c'est assez... Par contre, je peux manger éventuellement quelques carottes, quoi. Mm-hmm. Hop. Et là on est full. Et là du coup je propose qu'on aille peut-être commencer par aller dans la forêt pour ramasser des myrtilles. Ouais, puis comme ça tu peux. T'as le levier. Ouais, j'ai le levier. Ouais. Oh mais j'avais pas vu aussi que notre ami Exot avait fait des petits dons. Qu'est-ce qu'il est sympa ce Exot. Alors faut que je réfléchisse, il m'en fallait combien? Il m'en reste une, il en faut 12 pour faire 2 smoothies, donc il nous en faut encore 11 quoi, pour demain. Mmh. Puis à te donner de la bite. Alors, c'est quand même bizarre hein, de se balader en forêt avec un téléphérique. Et puis normalement, hop, réparer. Ah! Ah! Il nous faut du métal aussi. Est-ce qu'on peut prendre directement le métal qu'on a? Ah, j'ai pas assez de métal. Du coup, oui, celui de... On l'a déjà. Ok, il faudra qu'on revienne quand on aura du métal. Au niveau du bois, on est comment? Parce que là, c'est vrai qu'on vient souvent dans la forêt. On a plus beaucoup de bois, on peut peut-être en prendre un peu. Ouais, c'est une bonne idée. 9, myrtille. En sa droite, il y en aura encore. Merde, niveau myrtille, on en est où là? 10, ok. On va s'enfoncer un peu. Mmh. 12, bon, c'est parfait. Ça fera l'affaire. On va pas surcharger. Il y a une biche, oui, il y a des biches partout, j'ai jamais vu autant de biches dans une forêt, hein. C'est la mine. Mais du coup, attends, parce que les biches, elles sont juste à côté de toi, tu peux pas essayer d'en fracasser une à coup de batte? Oh, c'est moi ou la batte, elle a l'air destroy un peu. Ok. Ah, oh, on peut dézoomer de ouf. D'accord. Je peux aller le voir, le gars, là? Ouais, je crois qu'il avait l'air, elle avait dit qu'il y avait potentiellement quelqu'un de gentil. Il y a un ami. Bonjour. Mince, c'est encore hors d'usage. Attendez, qui est là? Excusez-moi, c'est une zone interdite. Je suis désolé, je suis inoffensif. Mais interdite par qui? L'agence? Je n'ai pas vu leur panneau. Non, pas l'agence. C'est... Attendez, vous avez l'air différent du reste des citadins, je veux dire... vos yeux semblent présents. Est-ce que vous dites a du sens? Qui êtes-vous? Les gens m'appellent Prepper, je suis un constructeur amateur, on pourrait dire. Je sais que c'est une mine et j'aimerais entrer à l'intérieur.
travaille pour l'herboriste local. Je suis ici pour collecter certains organismes. Tu peux dire des champignons. D'accord, c'est un constructeur. Hein. Je m'appelle Bob et voici ma proposition. Vous faites quelque chose qui nous serait utile à tous les deux. Je vous laisserai entrer. Alors, tout le monde s'appelle Bob, la plante de l'herboriste, lui, il s'appelle Bob, voilà. Il s'agit d'un ascenseur qui permet d'accéder facilement au niveau inférieur de la mine. Mais il y a des niveaux partout dans le jeu. Ça vous convient, non? Eh bien, sauf que ce tas de ferraille vient encore de se casser. Réparez-le et je vous laisserai entrer dans la mine. Un ascenseur, je vais voir ce que je peux faire. Et j'espère que vous êtes la personne amicale dont on m'a parlé. Oh, j'en suis sûr. Si notre coopération fonctionne bien, je serai vraiment amical. Oula. Attention. Alors, ok, eh bien regardons qu'est-ce qu'il faut pour réparer cet ascenseur. 10 métal. 10 de métal, eh ben écoute, on va aller se procurer ça. Il y a des chauves-souris, on va devoir se battre avec des chauves-souris. Je pense un coup de batte et ce sera réglé. Faut voir s'il n'y avait pas notre voisin qui peut nous vendre éventuellement du métal. Oui, on peut acheter du métal chez Sergei. Ah, oui. Ah oui, on peut lui acheter des boîtes en fait. Des petites boîtes qu'on peut démonter et faire du métal. Ah, ça va coûter cher par contre, hein, de ouf. Hein. Oui, mais on a des petites boîtes. On a des boîtes comme ça? Elles sont où? Au-dessus de la cuisinière. Ah oui. Ah, non. Si, boîte à cookies là, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Mais il en faut entre 4 et 7, je sais pas combien on en a. Regarde, on en a plein en bas à droite. Ah oui, effectivement, bien vu. Petite boîte bleue. Ah, mais c'est. Est-ce que c'est la même chose? 4, 7. Non, c'est pas les mêmes. Mais ouais, là, il nous en faut combien là? On dit entre 4 et 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. Il y en a d'autres là. Putain, le nombre d'objets différents qu'il faut là. C'est horrible. C'est un bordel. Ton tonneau. Enfin, la poubelle, tu peux démonter la poubelle? Je crois pas, non. Par contre, le tonneau, on est entre 0 et 1, on peut se débarrasser du tonneau. Si on se débarrasse des deux tonneaux qu'on a, on peut avoir 10 de métal. Ouais, après, est-ce que les tonneaux, on en aura pas besoin? Bah, à part pour éventuellement du fuel, mais je sais même pas où on pourrait récupérer du fuel. Parce qu'on aura besoin un jour, après, peut-être que le temps qu'on en ait besoin, on aura trouvé un autre moyen de se fabriquer des tonneaux, quoi, tu vois, ça. Mmh. Chaque chose en son temps, quoi, les priorités. Ah oui, attends, il faut que je découvre. Il faut qu'on arrose les plantes aussi. L'agent arrive, qu'est-ce que tu me racontes? Il n'arrive pas, l'agent, là. Il essaie de faire peur. Dima, il dit l'agent arrive. Ah, mais non. Non, t'as vu l'agent arrive? Il arrive dans 20 jours, l'agent. L'agent, il arrive normalement, je sais plus où. Le 10 vers 13h. Ouais, c'est ça, c'est l'agent, il arrive le 10 vers 13h. Ouais. Mais on a le temps encore là, il arrive pas aujourd'hui. On va récupérer de l'eau. On va arroser les plantes. Il vient pas tous les jours. En fait, il vient. Plus on est suspect, plus il vient souvent. Mais là, en l'occurrence, on a fait baisser la suspicion, donc il vient pas très souvent. Mais j'imagine que le jeu va nous rendre la tâche plus difficile, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il viendra peut-être plus souvent, même si on n'est pas suspect ou quoi. Mais pour l'instant, effectivement, il vient pas très très souvent. Mais je pense que ça va être surtout. Vu qu'après, je pense que plus on va avancer, plus on va avoir besoin de beaucoup de matériaux. Du coup. Ouais, il faudra. Ouais, sans doute. Ouais. Genre ramasser des. Attends, le pot. Regarde, le pot entre 0 et 2, on s'en fout, on peut prendre le pot. Parfait, on n'a pas besoin de toi. Faut qu'on trouve, en fait, ouais, c'est ça. Faut qu'on trouve les trucs dont on n'a pas besoin, en fait. On peut se débarrasser, tu vois, pot bleu, ça, on peut s'en débarrasser. Le placard, éventuellement. Des placards ouais. Le placard, là, c'est entre 1 et 3, je sais pas si on en a un autre. C'est 1, 2, 3, et ça compte comme un placard. Oui, ça compte comme un placard, donc éventuellement on a un placard supplémentaire. Alors celui-là par exemple, on peut le virer. Les bouquins, je crois qu'on avait pas mal de bouquins. Bouquins, on pourra s'en débarrasser aussi de quelques-uns.
les plantes. Entre 0 et 4, on peut se débarrasser des plantes. Voir ce que ça donne. L'agent, il s'en bat les couilles des plantes vertes. Il n'est pas là pour... boîtier électrique. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, un jour, je pense qu'on va finir par manquer d'électricité. Il faudra qu'on produise notre propre électricité, sans doute. Ouais. Ça va être un bordel. Alors, qu'est-ce que ça donne? De la terre. Ah, ça, ça peut être bien, ça. Ça, techniquement, c'est toujours le tuto qu'on est en train de faire. Je crois que non, le tuto il nous a lâché hein, là on est parti en mode là on a des quêtes mais c'est juste le jeu nous guide mais je pense pas que ce soit on est plus dans le tuto là. Je pense que c'est juste on est guidé genre pour le premier combat et cette histoire. Oui, je pense à chaque fois qu'on découvrira un nouveau truc oula, faut que je travaille alors qu'on est quasiment HS, on va se faire une petite sieste. Quoique bah je vais dormir, tu me diras. Je crois que tu peux récupérer les. Ah oui. Avant qu'il fane. Mais je pense on perd moins d'eau si tu viens les re-remplir quand c'est à la moitié. Tu veux dire par rapport au fait que là, comme je l'ai... Oui, parce que tu vois l'eau qui leur reste. Ouais. Puis du coup, on perd un bidon d'eau vu que tu récupères pas la feuille. Ah oui, mais ça, c'est pas terminé, ok. Je crois que ça vient de terminer. MDR, si. Si, c'est bien terminé. Je crois que quand c'est orange, c'est que c'est bon en fait. Quand c'est vert, c'est que c'est en train de pousser. Ouais, c'est ça. Salut Orchida, re-Orchida plutôt. On va remettre tout ça au frigo. Le mec, il va se dire, mais comment vous avez autant de bouffe dans votre frigo? J'ai trouvé dans la forêt. C'était sur le pas de ma porte, un voisin qui me l'a donné. C'est qui? Ça riait. Le mec qui balance. Je vais voir si on va se coucher avec l'énergie à fond, si ça nous remonte à notre barre de prep. Ah oui, mais genre manger aussi du coup. Ouais, bah écoute, fais l'un sur deux, on va voir, fais des tests. Ok, deux jours avant la coupure d'eau. Il faut qu'on pense à chaque fois, effectivement, j'y pense peut-être pas assez souvent, à récupérer toute la flotte possible. Premier truc à faire, hop, récupérer l'eau. Ouais, ah non, même pas c'est possible. C'est pas encore prêt. Planter. Bon, je crois qu'on est bon hein, pour l'instant niveau bouffe. Oui, en même temps, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que ça vaut le coup d'aller planter? Je pense. Alors qu'on a plein de bouffe. Hein, puisque la bouffe, elle va finir par périmer un jour. Donc, c'est effectivement c'est peut-être pas la peine. Réparer le téléphérique. Alors, machin. Il faut 10 de métal. On a maintenant 10 de métal. Je pense qu'on va largement récupérer ce qu'il faut. Ouais. On a pile poil 10 de métal. Ok. Et le 15 de métal aussi, il nous faudra pour réparer le téléphérique. Je pense que l'élévateur est prioritaire. Hein. De toute façon, on a pile ce qu'il faut pour l'élévateur, donc autant aller faire l'élévateur. La mine nous débloque une quête, pas l'autre. Ouais, pouvoir tabasser des chauves-souris aussi. 10 de métal, c'est parti. C'est parfait. Oula, j'aurais dû manger avant d'y aller, moi. J'ai pas fait gaffe. On tabasserait une chauve-souris puis tu la mangeras cru. Ah merde, attends, il fallait retourner voir Bob. Attends, remonte. Et Bob, on a réparé le truc. Incroyable, maintenant, si vous m'excusez, j'ai des choses très urgentes à vérifier dans la mine. Maison de Bob débloquée, ok. Faut le suivre. Ah, il est parti. Ah ouais, non, peut-être qu'il est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc vert. Passe de la mine. C'est vraiment un donjon, ce truc, en fait. C'est ça. S'équipe de la batte de baseball. On va péter la gueule à des chauves-souris. Ah ouais, en fait, manger, c'était super important.
Je peux le prendre le refus. C'est ce que j'étais en train de me demander. Oui. Il met dans sa poche un énorme rocher. Formidable. Alors, on va falloir remonter parce que... Je vais remonter, ouais. Là, on n'a pas assez. De toute façon, il faut qu'on trouve des champignons. Je sais pas où ils sont, les champignons. J'en ai pas vu, là. Je pense que ce sera plus bas. Et puis, les rochers, il faudra aussi en prendre max. Parce qu'on doit avoir de la pierre pour le pour la fusée. Ah oui, il y avait besoin de pierre pour la fusée. J'avais ouais. pas fait... J'avais pas vu. Alors, on a besoin de plus. On a besoin de trop de trucs hein, pour fabriquer la fusée, ça va être... Ouais, mais le reste, à part... Attends, je vais pas démonter tout de suite, on va manger d'abord. On va aussi prendre de l'eau. Ouais. Je pense que t'as de quoi faire une soupe. Oui, largement. Ou je suis trop lourd. T'as un rocher dans la poche aussi. C'est vrai, ça n'aide pas. Alors attends, parce que du coup... Mais au pire, mets le rocher au frigo. Je suis pas sûr que je puisse. Non, je peux pas. Ah, pose-le dehors. Oui, t'as raison. Est-ce que c'est un objet louche ça? Oula, il vole. C'est même, je suis même pas sûr qu'on ce soit grave en fait qu'il soit là. Par contre, du coup, je tombe pour ça. Soupe de légumes là. On peut s'en faire 5. Est-ce qu'on en fait d'avance et on les met au frigo? Oui. Ça, comme ça, on est tranquille pendant 5 jours en fait. Là, par contre, oui, effectivement. Attends, est-ce que je peux la manger? Attends, je vais interrompre. Non, qu'est-ce que... Bon, bah écoute, vas-y, va au bout. On aurait utilisé... J'ai tellement faim. Oui, oui, oui. Ça va. 2 et full nourriture. Fabriquer des smoothies parce que là les myrtilles elles vont bientôt être Pourrache, tu peux sortir je pense la nourriture moisie et aller les mettre à la poubelle. Pas faux. Fais de la place pour mettre les smoothies. Allo Roche. N'importe quoi. Et bah voilà, tu mets tu des trucs bloques le passage. Tu bloques le passage avec le rocher. MDR. Mais oui, c'est tellement ça qu'il faut faire. Si tu mets le rocher devant la porte de ta maison. Ouais, j'avoue, mais oui, il faut qu'on trouve en fait, il faut qu'on trouve le moyen de fabriquer des récupérateurs d'eau de pluie. Mm-hmm. Mais peut-être qu'il pour ça il nous faut un établi niveau 2, je pense. On n'a pas assez de métal. Pour l'établi niveau 15 de métal. Il nous manque 15 de métal, ouais. Sieste. Là on est mort. Yes. Puis après on va aller tabasser des chauves-souris. Le jeu de préparation elle descend quand on dort. Mais parce que je pense que elle descend si t'es... En fait elle descend... Quand t'es pas à fond. Hein. Continuellement, ouais, ouais. Tant que t'es pas au-dessus de 50% dans un des deux trucs. Ouais. Qu'est-ce que... Quelle va être la suite? On va se taper des chauves-souris. Ouais, on va aller chercher les champis. Ça tue. Ouais, comme ça on fouille. Puis on peut sûrement récupérer d'autres trucs aussi. Ouais. J'ai regardé. Non, c'est bon, je suis pas trop lourd. Comme de la pierre. Exact. La chauve-souris il est revenu la salope. Sauf que là il y a rien à récupérer. Ah si on peut descendre là. Si on peut descendre puis après est-ce qu'on peut... Ah oui il y a ça et le pass. On va péter la gueule à la chauve-souris. Attends. Sors la batte. Ouais. Ah tu peux parer aussi. Ouais ouais. Par contre elles font mal hein. Ah, j'avoue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, bien sûr, un espèce de... C'est quoi ce machin? What? Qu'est-ce que c'est que c'est un rat mutant des ténèbres? Par contre, c'est bien parce que du coup, la batte, elle... Ah, il y en a d'autres qui vont arriver. C'est ah comme bah tout oui, à l'heure. Comme... Par contre, la batte, elle... Ouais, elle... Et ça nous fait de la viande de rat. Ouais. Ok. Je dirais, ça fait des petites tranches de jambon. C'est une drôle de mine quand même, hein. Hop, une autre chauve-souris.
Ah, bon, on a une bonne allonge. Ouais, c'est clair. Oh, il y a une caisse. Mais en fait, j'aimerais me Une dire, en plus, c'est caisse. ce qu'il faut pas qu'on... Ah non, on n'a pas besoin de les prendre. Ah oui, ouais. Bon. Ah, le rocher, il pèse combien? Ouais, ça va. Oh, Oh, pas voilà le mal. carburant. Et du minerai de fer. Ah non, on n'a plus la place. Ben franchement, C'est quoi ça? Non, ça nous prend pas de place. un caillou. Ça va nous bloquer, non? Encore, cette merde. Ouais, mais tu le poses. Non, Ah non, c'est faut bon. Ok. qu'à la place. Du coup, va falloir faire une fonderie pour récupérer. Sans doute, ouais. Sans doute. On rentre là, je pense. Il est Allez. 20. Ah, Il est pas trop tard, on a encore un encore petit un peu le temps. étage. Enfin, en même temps, je dis ça, mais on n'a plus beaucoup de place pour prendre des trucs, en fait. Et va peut-être l'étage encore en dessous. Ce sera plus Attends, proche. je pète la gueule à une chauve-souris. Ah, mais vas-y! Pourquoi il part pas? C'est quoi ça? Ah, ça c'est un champignon, ça. Ah non. Non, c'est de l'or. Oh! Ça va l'heure de On la est thune, ça. riche! On est riche, les mecs! C'est l'argent des subs! Je possède Y'a quoi des de thune? thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Pour la batte, Twitch, elle a l'air. money, money. Ouais, elle s'abîme, ouais. Faudra qu'on en construise une autre, je pense. Oh, l'argent. Ou réparer, je pense. Oui, peut-être qu'on peut Maintenant la que je suis réparer, dehors. ouais. C'est possible aussi. Comment est-ce qu'on regardait? Ah oui, c'était là. Je sais pas si on Tiens. peut la réparer. Par contre, peut-être qu'on peut. C'est peut-être plus intéressant de la démonter avant qu'elle se détruise complètement, tu vois, pour récupérer une partie des ressources. Oh là là, les 100 bits d'Orchidia, ça fait plaisir. J'ai pas d'alerte pour les bits? Faut que je mette une alerte pour les bits. Parce que j'ai rien vu. Enfin, j'ai vu parce que je regardais, mais non, pas besoin de recouvrir. Va arranger seulement déjà les trucs. Exact. Démolir les cailloux qu'on a arrangés. Ranger tout Alors, ça. l'or. Peut pas ranger ça. Ah si, on peut. Une fois, c'est marrant, le clic il fonctionne pas de ouf. Et du carburant, on a un. Alors, c'est pas le Un bon tonneau. tonneau, mais bon, C'est est-ce pas que ça grave. marche quand même? Je pense que ça On passe, oui. peut mettre ça dedans. Et Les cailloux. ils sont où les cailloux? Pourquoi y a pas... Tu t'as rangé les cailloux? Attends, est-ce que quand j'ai déposé le caillou, j'ai pas déposé tous les cailloux? Attends, mais non, mais c'est pas possible, on avait d'autres cailloux. Regarde, est-ce que t'as mis les... Non, c'est pas possible de mettre les cailloux dans la caisse. Ah si. Ah si! Énormes rochers sont rentrés dans MDR. la caisse. MDR. Vous devriez aller dormir, c'est bon, calme-toi. Et ça, est-ce que du coup, Alto. bon, on verra ça demain, je pense. Je vais aller ranger la viande au frigo. Une délicieuse viande de rat. Ah, on a plus de place. Les myrtilles vont mourir, Les mange les deux rations de myrtilles. survie. Oui, on peut manger les myrtilles, tout manger. Puis mange les deux myrtilles, hop, la viande au frigo. Ça tient très mal d'ailleurs les myrtilles. Ouais, mais après, ça fait que ça fait un moment que j'en avais aussi dans le frigo que. Parce que je sais pas, tu sais, genre. Comment ils gèrent le stack en fait. Tu Ah vois? Parce que. Si ça se trouve, c'est deux que j'avais depuis le départ, tu vois. ouais. Et je mangeais toujours les autres avant. Coupure d'eau aujourd'hui. Yes. Alors, c'est juste aujourd'hui ou c'est. Non, je pensais à partir d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu ouvres le calendrier, c'est marqué si tu mets je pense le curseur sur la petite goutte. Bah c'était marqué l'eau va être coupée, mais Ah bah voilà. Oupsie. Qu'est-ce que c'est? L'eau a été coupée. Yes. Ah mais du coup c'est parce Non. que... Ah bah attends, quoi? Ah c'est peut-être l'eau qui Bah. était déjà dedans. Bah écoute, on va pas se plaindre hein. Parfait. Il y a de l'eau là, mais effectivement je pense que ça va pas se remplir.
On va redéposer la flotte. Bon, Oh, ça on a pas sert pas mal de mal. stock, hein. Ouais. Niveau En flotte. vrai, l'eau, ça sert juste à cuisiner et à nourrir les plantes. Ouais, bah c'est important, hein. Ah, pour cuisiner, ouais, Mine de surtout. rien. Qu'est-ce qu'on va se faire? On avait de la soupe de légumes, je pense qu'on va se faire la soupe de légumes et un smoothie. Parfait. Parfait. Petite sieste. Le matin, tu sais pas pourquoi on fait une sieste le matin, mais. Réveillé à 20 minutes. Allez, petite Allez, sieste. on y retourne. La nuit était trop courte. Et puis Est-ce qu'on ferait pas une commande, tu sais, avant d'aller pour du métal? On ouais, c'est une commande bonne des idée. petites boîtes chez Sergueï. On a 39 balles, mais on gagne de l'argent, hein. T'as pas la maison Mais est-ce que de... c'est parce qu'on gagnerait pas, genre, un peu d'argent tous les jours, tu sais, genre en mode on touche le chômage, tu vois? Je sais pas, mais je sais qu'on a trouvé de l'argent entre deux. Ah Mais oui, c'est vrai, t'as raison aussi. C'est vrai qu'on gagne un peu d'argent. regarde, on n'avait pas la maison de... Pas la maison de Ah Bob. ouais, bien vu, pierre, pioche, ok. Et ils vendent des manuels, Manuel ok. Mais bricoleur, par après... contre, Oh l'eau! on peut pas acheter du métal directement chez lui. Par contre, on peut lui vendre l'or. Oh oui, bien vu. Seulement 5? Énorme. C'est pas Sinon... énorme. Ah, par contre, les livres, ça coûte tellement cher. Tapis vintage. Par contre, la pioche, Des ça peut être concombres. intéressant pour choper des minerais et les lui vendre. Bah ouais, c'est ça, clairement. Hein. Je pense que. Moi, je te propose la pioche, Vieux journal. puis on va à la mine. Ouais, on peut acheter la pioche. Attends, ah oui, il faut qu'on achète comme ça. Bon, allez, investissons dans la pioche. Ouais. Et peut-être dans des boîtes, du coup, pour récupérer un peu de métal. Attends, je vais regarder si on peut faire quelque chose du minerai de métal dans l'inventaire. Genre, est-ce qu'on peut, je sais pas, c'est juste Le avec démonter. l'option démonter, ouais. Ça m'étonnerait, mais non, évidemment. Ah Peut-être oui, fondu peut dans un être fondu dans le fourneau. fourneau pour obtenir du métal. Ah, Ok, t'as un bon. fourneau, va voir. Ouais, on sait jamais. J'ai un doute parce que sinon je pense qu'on l'aurait vu, mais effectivement, ça aurait été très très drôle. C'est genre. Le truc, le mec, tu mets du minerai de métal dans ton four micro-ondes et oh bah c'est bon, ça fait des lingots de métal quand ça sort. Alors, peut-être pas dans le micro-ondes. Non mais si, écoute, ça marche très bien aussi. On Je attend me fous un peu. le truc avant d'y aller? Oui. Oui. On va faire une petite sieste en Attends, attendant. non, les journaux, je vais regarder si on peut les démonter. J'ai vu que. Apparemment pas. Ah ouais, non. Ok, parce que j'ai vu qu'on pouvait acheter des vieux journaux, je comprenais pas pourquoi. C'était où qu'on pouvait en acheter? Le Ah non, on mettre peut et vendre, d'échange. attends. Vieux journal, vendre. Pourquoi on peut pas? Nancy, il ne fait peut-être pas Oh, il est confiance pas encore, encore Nancy. plus. Ouais. Ah si, attends. Ah si, ok, on peut vendre. Ah, on peut vendre des vieux journaux. Bon, elle achète des vieux journaux, ok. Tant mieux. Ah mais c'est cool, ça veut dire qu'en fait là ce journal là par exemple quand il va devenir vieux bah on pourra lui vendre en fait, non? T'as lu le nouveau journal? Mais c'est barrage. Ouais bah écoute je sais pas, alors c'était peut-être le même ou est-ce que. Attends, ça arrive dans combien de temps? 21. On n'a pas le temps d'aller agrandir le bunker. Non. Regardons un peu comment est-ce qu'on peut l'agrandir. L'agrandir dans ce sens-là. Je pense que ça serait bien de la fond en longueur, comme ça après on a le. À l'arrière du jardin, tu fais le truc pour la fusée. Pour décoller depuis le jardin. Ça fait trop le mec qui attend vraiment devant sa boîte aux lettres. Et puis le mec il met dans la boîte aux lettres et il me le donne pas. Je voudrais démarrer un petit échange avec vous. Si vous êtes d'accord, de temps en temps, je vous enverrai une lettre ou un colis contenant une information ou un objet utile. J'ai accès à des sources et des fournitures assez spéciales, croyez-moi. Cependant, il y a certaines choses qui me sont plus difficiles à obtenir et c'est là que je pense à vous. Monsieur Prepper, vous pourriez m'aider. Vous pouvez me livrer des choses comme vous le feriez sur le marché local, je suis sûr que vous comprendrez comment faire. Pour briser la glace, j'adorerais vraiment avoir un pot de confiture de myrtille. Minuteman, Peut-être avec. ok. Regarde peut-être à l'envant la dame dans la forêt. De la confiture, je crois pas, non, elle vend que des graines, elle. Mais par contre, on peut peut-être en fabriquer de la confiture. Ou au supermarché, peut-être qu'ils vendent de la confiture. Genre, si on achète du sucre et on a des myrtilles, on doit pouvoir faire de la confiture de myrtille. Mais Effectivement, c'est une.
Mais je vais regarder si c'est dans les recettes, je crois pas. Hein. Purée de carottes, confiture de myrtilles. Il faut du sucre, des myrtilles et du verre. Eh ben si on peut. Ok, bah on lui fera de la myr on lui fera des myrtilles. Et on lui vendra ça. On va direction le. Tac tac tac. Prendre la nourriture sur toi, style Un un milkshake? smoothie, je pense. Oui, Ouais. un smoothie. Ou un, ou une soupe. On sait que Comme ça, le hop. milkshake ça rend à peu près la moitié, enfin donc le smoothie ça rend à peu près la moitié, donc on a un peu de réserve. Ça, les chaussures, elles vont te mordre. Peut-être tu vas boire devant elle. Regardez comment ce smoothie me rend plus fort. Alors attends, parce que du coup est-ce que la pioche ça sert à. Enfin ça, comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est on s'en équipe? Ok. Alors Il est où? ici est-ce qu'on a quelque chose à aller récupérer? Je pense pas. Je crois pas. Hein. Là, on va descendre. On va aller Là, il y a les récupérer ce rochers à crochet. récupérer. C'est du hit and run. Si tu équipes la pioche, toujours tu peux taper dans le vide. Non. Merde. Prends. Il restait des choses là-dedans. Non, je crois que j'avais tout pris là-dedans. Non, t'avais tout pris. Peut-être que ça repop. Non, ça repop pas. Ça c'est trop beau. L'or, on l'a récupéré. Ah, il reste du caillou. On a juste à descendre le premier, et puis on regardera s'il a l'air long là. De l'or encore. On va aller chercher l'or. Je vais me battre avec la. Boum. Hop. Boum. Devenir professionnel de la chasse aux chauves-souris. Le système de combat dans le jeu est pas, on va dire, des plus élaborés, mais faut prendre le coup de main, quoi. En vrai, tu peux parier Ça compte dans aussi. les 5 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce qui compte dans les 5 fruits et légumes par jour, le. Les J'ai pas chauves-souris? suivi. Chauve-souris. Hop, de la thune. Je crois qu'on peut encore descendre. Ça, on était déjà allé hier. Ouais, on va juste récupérer le rocher. Allez, cours, Forest. Là, du coup, on va descendre dans le. Attends. Ah, quoi? On peut pas. Ah bah on peut pas Tu peux pas descendre de là. descendre plus bas? Ah, c'est du bullshit. J'ai récupéré le Ah pass va pourtant. tout à droite. Va tout à droite pour voir. Là? Tu peux pas aller plus loin? Non, je peux pas aller plus loin. Attends, est-ce qu'il Pourquoi faut essayer pas de que je bute t'enrouler? tout? Ah mais il y a un truc électrique à côté du. Voilà. Oh, d'accord. C'était là, effectivement, bien vu. Ah, et ça nous emmène directement en bas, ok. Mine d'une vieux ruisseau niveau moins 1. Ah bah et là il y a les champignons. À droite il y a Ah. Attends parce Attends, qu'à on va droite aller. il y avait un truc. Ouais, on va aller regarder après aussi. Qu'est-ce que. Voilà, il y avait un gros truc. Ah! Bonjour monsieur. Bonjour Bob. Oh, salut Prepper, désolé d'être parti si tôt la dernière fois, je devais vérifier quelque chose. Merci beaucoup d'avoir réparé l'ascenseur, ça facilite beaucoup les choses. Tous les équipements électriques semblent se casser facilement ces jours-ci. Comme cette radio, elle ne s'allume jamais. Vous la voulez? Je n'en ai aucune utilité de toute façon. Bah ouais, écoute, merci. C'est Ça gratuit. fait plaisir. Il y a aussi un téléphone sur le mur qui ne fonctionne pas non plus. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Bah nous on prend tout. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène par ici? Disons que je suis ici pour faire un peu de tourisme. Ok, pendant que vous y êtes, pourriez-vous chercher ma veste dans les alentours? Je l'ai perdue quelque part dans la mine. Putain, mais ce mec. Elle est rouge et blanche, un peu sale. Elle a une valeur sentimentale. Elle est chaude, c'est très important ici. Bien sûr, je serai attentif et je vous le ferai savoir. Juste, vous devriez savoir que vous devez faire attention plus bas. Il y a certains organismes dans la mine. Ils aiment pas nommer les choses. Ils parlent d'organismes. C'est les bougeant, mordant, griffant, traînant votre corps impuissant dans. Ouais, c'est bon, d'accord. Je ferai attention. Oublie pas le petit téléphone Il est gratuit. où? Il est là. Hop, on prend le Et puis téléphone. en bas à gauche, t'as un joli truc explosif. En bas Enfin, à gauche. t'as un livre Ah là. oui.
Livre sur la guerre nucléaire, protection contre les retombées radioactives, tout ce qu'il faut savoir et faire à propos des attaques nucléaires. Ok. Ouais, malheureusement, on peut pas prendre le. Ok, on peut se barrer. Ah oui, je crois que c'était des champignons, c'était des pas en fait. T'avais le pas. Tout à droite là. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut ouvrir ça. Machine de forage rechargée. Ah, on peut mettre du fuel dedans. Et on a récupéré. Ça nous permettra de récupérer des trucs. On a récupéré du fuel juste avant, c'est pas mal ça. D'accord, j'ai besoin de carburant. Ok, bah faudra qu'on revienne avec notre fuel. Ouais, bon, excellent. Là, des petits champignons, effectivement. 3 champignons, ok, formidable. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a d'autres champignons en bas. Et ça, ah, ça, je pense que là, gros rocher, on aura besoin de, probablement de la pioche. Ouais. Alors, tu vas la chercher ou pas? Regarde, à droite. À droite, là, je peux pas. Je peux... Ici, tu veux dire? Ouais, il y a les petits champignons, puis après, il y a la carte d'accès du niveau. Ouais, plus bas. Bah attends, là on est là, je vais aller chercher les champignons qui sont là. Ah là, ça remonte loin. Il y a un coffre là. Ouais. C'est marrant, je m'attendais pas dans un jeu de survie comme ça à... Ah attends, trop si lourd. Je fais comme ça, miner. Ah merde, on a plus de... Ah d'accord, là je peux le miner. D'accord. Minerai de fer, ok. Je pense, mais pose un des rochers parce que. Ouais, on est trop lourd. Les rochers, c'est moins important. Les rochers, ouais, je suis d'accord. Les champignons, c'est la quête. Champignons, surtout que ça pèse pas lourd, les champipis. Mmh. Les champipis, les champignons. On en a déjà 6. Ouais, il nous en fallait combien? 8? Ouais, donc juste. Oui, il y a après, le minerai de fer aussi, faut pas que j'oublie, quand on mine, ça donne du minerai de fer. Ça a grave avancé depuis le début. Non, c'est pas le bunker. Hein. Je te rassure tout de suite. C'est. Il y a du carburant. Ah bah parfait, il y a du carburant. Oh, il y a du carburant dans tous les sens. Une grenade. Les rochers, ça dégage. Hein, du coup, désolé les rochers, mais tout ça, c'est plus important. Tout la grenade. La grenade, ouais, la grenade, c'est important. Ah mais comment ça se fait que parfois ça bloque et parfois ça bloque pas? Ah merde, mais du coup on s'est bloqué là. Ah non, mais mets-en un au-dessus du coffre. Je suis sûr que ça passe. On va essayer. Est-ce que j'ai. Non, j'ai la place ou pas de pas prendre le. Non, ça je vais pas avoir la place. Attends, mais je suis con, je peux mettre les rochers dedans. Ah. Je suis un débile. Mais ouais, là du coup on n'est pas. Oh là là, l'exode qui balance encore des bits, mais c'est incroyable. Vous êtes fou. Partout. Mais ouais, là on est dans une mine. Donc c'est pas notre bunker, hein, je te rassure. Effectivement, sinon ça aurait vraiment beaucoup avancé. Hein. Mais on n'en est pas encore là. Il ramasse. Ah oui, non, c'est vrai, j'ai oublié. Double clic, ça suffit pas pour ramasser. 70 sur 100, bah écoute, on peut prendre un rocher et je propose que. Ah, est-ce qu'on essaie d'aller faire marcher ça là? On a juste encore à récupérer les champignons. Champignons, c'est bon, non? On a tout? Ah oui, on a 8. On en a 8, ouais. Ah oui, mais ils ont disparu les autres champignons du coup. Les autres. Il y avait d'autres champignons. D'accord, ok, les autres champignons, effectivement, t'as raison. Oui, ici, il y en avait. Et effectivement, ils ont disparu. Allez. C'est parce que c'est tu envoies des bits cell parce que c'est Monsieur Poivre. Est-ce qu'on essaie de faire fonctionner ça du coup? Ouais. Oh, et j'imagine que du coup ça va remplir ça. Qu'une foutue idée. Ça fort. J'en mets full ou pas? Ouais, de toute façon pour l'instant on n'a pas d'autre utilité que ça quoi. Et du coup je propose qu'on se casse et on laisse forer et on reviendra plus tard. Pour l'instant ça a mis quoi? Ah oui, si, regarde, oui, ça met. Je suis pas sûr que ça met quelque chose pour l'instant. Non, c'est long, je pense. Parce que de ce que j'ai vu, ouais, on peut peut-être avoir des trucs sympas. Attends, ah merde, comment est-ce qu'on fait pour. Ah oui, c'est là.
C'est déjà 21h, ouais. Est-ce qu'on a le temps d'aller voir la vieille pour lui rendre ses champignons? On le fera demain, je pense. Ouais. Pas très grave. Demain, on fait la vieille, puis après, on vient revoir... Il faut trouver la veste de Bob aussi. Non, ah 22h51. Oui, on parle dans le jeu. Pas dans la vie. Ok. Sieste. Parce que j'ai remarqué que quand on dort, ça nous rend pas toute l'énergie, donc on va faire une petite sieste. J'ai perdu pas mal de prep là. Mais je pense que quand on dormira, ce sera bon. Ouais, ça va nous en rendre pas mal, je pense. Parce que là, on devrait aller dormir. Oui. Je sais. C'est bon, il reste encore 3 heures. On va voir du coup si on a de l'eau demain. Si l'eau revient. Je pense pas. Ouais, ça nous a pas rendu tant que ça. Hein. Ce jour-là, faudra. Si je crois que l'eau c'est bon là, tu vois là il n'y a pas le symbole de l'eau coupée donc je pense qu'on est bon. Ah ouais peut-être. Ça va peut-être, c'était peut-être juste aujourd'hui. Je pense que du coup ces jours là vont se multiplier tu vois au fur et à mesure, on va avoir de plus en plus de jours où c'est coupé ce qui fait que là on devra prévoir vachement en avance quoi. Quoique là ça n'a pas l'air de se remplir des masses donc on va voir. Profitez des grignots d'un truc. Ouais t'as raison. Mais qui se balade. Quel enfoiré ce Dima. Parce qu'il dit qu'est-ce que vous foutez de votre vie. Et l'exote il dit tranquille, je stream 2 jours par semaine aussi. Cette chaîne reprend de l'activité. Et Dima il dit malheureusement. Quel bâtard. On va faire la viande parce que la viande ça. Du rat rôti. Se marie bien avec du vin blanc. À essayer. Ok, oh. Pas mal. Ouais, ça rend bien. Les trucs, on va aller les rendre. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire dont il faut qu'on se débarrasse? Plein de trucs. Ouf. Déjà. Oh, ça peut stocker pas mal. Hein. Ouais. Hop. Voilà. Est-ce qu'on a, on a le journal? Non, on n'a pas le journal. Pas encore. Qu'est-ce qu'il est con ce dimanche? Il dit je mine de l'argent pour devenir riche et me taper des... à Paname. Ok, c'est pas aujourd'hui hein, qu'il vient l'agent. Non, c'est demain. C'est demain. Ok, on va voir la vieille, on va lui rendre ses champignons. Ouais. Hop. On va en profiter pour prendre des myrtilles. Ah oui, pour faire la confiture de myrtilles. Ouais, oui. Il en fallait 10, ok. On aille se balader un peu. Il dit je mine de l'argent et l'exote qui fait triste tu mines de la crypto-monnaie et Dima dit non de l'euro, ça s'appelle travailler. Bère. Oh mon dieu. Si tu as les champignons. Ah tes champignons. Pas vraiment une promenade de santé mais ça a été, les voici. Magnifique, je proposerai très bientôt une recette pour un nouveau thé. Pendant ce temps, de plus en plus de gens se plaignent de problèmes de sommeil, de maux de tête étranges et de problèmes de concentration. En as-tu aussi, mon chéri? Eh bien, puisque vous en parlez, oui, ça arrive. Tu vois, fais confiance à la vieille dame, ça doit être quelque chose dans l'air. Ouais, il nous envoie des chemtrails. Ouais, c'est ça. En vrai, je trouve que c'est tellement des barres de faire un jeu. Genre, faudrait faire un JDR aussi comme ça, où toutes les théories du complot sont vraies. C'est génial. Mais en vrai, ça me fait penser parce que j'ai lu avant dans le journal, ils ont genre mis un satellite dans l'espace qui est censé être un truc de médecine. Donc je pense que c'est peut-être ça qui fout la merde. Ah ouais, mais clairement, bah c'est ça. Ah, et puis tu peux lui dire qu'on a croisé Bob aussi. Bon, j'ai pas du tout suivi ce qu'elle me dit, mais en gros, elle nous a dit il y a des plantes à droite là-bas. Là. Ah bah non, il y a rien à droite. Non, faut réparer le téléphérique pour aller choper des fruits. Ah ouais, ok.
Bon, c'est pas notre priorité, je pense, pour l'instant. Même si j'imagine que du coup, effectivement, les plantes vont nous permettre sans doute d'améliorer nos stats pour éviter que ça descende trop vite. Je voulais retourner dans la forêt. Attends, ah oui, c'était là. Pour Pour choper des récupérer plus de myrtilles. faire de la confiture. Puis on envoyait au. JDR où tout ce que disent les joueurs est vrai. Oh mon Dieu. Le bordel. Alors pour le coup, en fait, si tu fais un jeu comme ça, t'as même pas besoin de MJ. Tu peux faire un jeu sans MJ avec juste du bordel absolu. Mais non, mais en vrai, je trouve l'idée intéressante. Un jeu de complotiste, tu sais, enfin, un jeu voilà où tu joues. C'était déjà ok. Alors, attends, du coup. Il nous faut 15. Je vais descendre au niveau. Non, on est déjà au niveau. Si, on était. Non, j'ai plus. Oh, on était au. Ah. Je suis perdu dans cette forêt de merde. Je crois que les niveaux ils sont bizarrement foutus en vrai. Essaye de tabasser la biche à coups de batte de baseball. Ah, je peux pas, non. Il faudrait, je pense, la pâter avec un piège peut-être. Enfin, avec un. Ouais, un piège. Bah ouais, tu l'as. Ah, là. Ouais. Bah écoute, je prends des outils encore. C'était où? Il y en avait qui marchaient sur le chemin. Ouais, mais je pouvais pas. Non, parce que normalement, en fait, quand j'ai l'arme dans la main, et ça me met une cible si je peux attaquer. Là, j'avais rien. T'as pris assez de myrtilles? Je crois, ouais, j'en ai 12 ou un truc comme ça. J'en ai 14 même. Alors, c'est qu'est-ce qu'il nous fallait exactement? Non, c'était au-dessus. Il nous faut du sucre et du verre. On en a plein. Donc, le verre, on pouvait l'acheter auprès de. C'était qui déjà? Le verre, on en a. Ah non, pas le verre, le sucre, pardon. Oui, le sucre, c'est. Supermarché, le sucre, c'est là. Sugar. Cher le sucre, putain, sa mère! À 10 balles! 19... Non, attends, c'était combien? 10 balles. 10 balles le sucre, c'est 2 pépites d'or! C'est abusé! Ça n'a aucun sens! C'est genre, tu vois, le sucre, tu fais. Combien? Je voudrais du sucre, s'il vous plaît. Oui, ça fera 10$. Ah, si, tu vois, l'eau, elle revient. Ah ouais. On a de l'eau, donc c'était bien effectivement, mais j'ai l'impression qu'elle revient un peu lentement par contre. Ok. Trouver la veste de Bob, envoyer un pot de confiture, ça on va pouvoir le faire dès qu'on a récupéré notre sucre. Après le téléphérique. Au niveau bouffe, est-ce qu'il faudrait pas qu'on plante des trucs? En vrai on peut planter des trucs je pense là. On peut planter les choux à la mode de chez nous. De quoi? J'ai dit, je crois qu'on a de quoi faire de la soupe de betterave encore. Ah oui, peut-être, oui. Ah, il faut vraiment que ce soit dans l'inventaire. Ça, c'est chiant. Ça serait bien qu'il aille prendre tout ce qui est déjà dans le. En même temps, je dis ça, mais j'ai besoin que de 5 en fait. J'ai pas besoin non plus de me surcharger comme une mule. Faudra essayer après, je pense, en fin de journée, enfin, de remplir quand c'est à la moitié. Sûr, on économise de l'eau si on fait ça. Qu'est-ce que tu me fais? Bah t'as cliqué sur planter du coup. Ouais mais j'ai fait plantation rapide. Attends, un oranger. T'as plus de truc normal. Ah ouais, parce que là c'est des graines où il va nous falloir un truc plus grand en fait. Ouais, c'est des graines particulières. D'accord. Où ça. Putain, c'est complet en vrai. Tu peux faire pousser du maïs. J'adore comme il arrive le. Le mélange. Bah. Et puis il t'attend hein, pour discuter avec toi. Ouais, c'est clair, il veut me dire bonjour à chaque fois. Quel beau temps aujourd'hui. Le mec arrive avec ma batte de baseball, tu sais. Salut. Ouais, il fait beau, ouais. Ouais, il fait beau, ouais. Maintenant, casse-toi de chez moi. C'est le vrai mec, quoi. Ah. Fabriquer la confiture. C'est fait. Hop. Et on va l'envoyer à Minuteman. Oh, 30 balles! Ouais, putain, il nous l'achète cher. C'est tellement rentable. Je pense que ça va être notre meilleur ami. Ouais, là. Oh! Il veut un livre sur la guerre nucléaire, on sait où le trouver. Putain, mais ce mec, vraiment, ça, ouais, je sens que ça va être notre pote, lui. Mais je pense que s'il trouve la veste, il te file le livre. Ah, il y a des chances, oui, t'as raison.
Parce que je pense pas effectivement qu'il va nous le laisser, qu'il va nous laisser le prendre comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. T'as entendu ce bruit? C'est ouais. Pas... Merde. Alors, je... quoi? Ah. Oh non. Oh non. No. Alors par contre, j'arrive pas du coup à cliquer sur le. Qu'est-ce que... Allô? C'est pas la peine. Oh mon dieu. Je ne peux pas cliquer. Ah. Ok. Attends, bah écoute. De toute façon, je vois qu'il est 23h, mais en vrai, c'est... ça tombe bien. En fait, j'ai vite fait relancer le jeu pour... Vérifier. Toujours... Oui, je sais que je suis toujours là. C'est le jeu qui a crashé. C'est pas mon PC. Je vais juste vérifier. Jour 9... On était le jour 9. Juste vérifier ce qu'on a perdu. Non. Mais du coup, on va arrêter le live là parce que je vois qu'il est l'heure. Je crois qu'on a pas mal perdu parce qu'il devait aller la dernière visite. Attends, non. Non, il devait arriver le 10. Non, c'est bon, oui, on était le jour 9. C'est bon. Ça a bien sauvegardé. Il est. Ah ouais, donc c'était le matin du jour. Ah. Oh, on n'a pas envoyé le code. Ok, il faudra qu'on refasse ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pas très grave. Bon, bah écoutez, en vrai, bah, fort sympathique ce petit jeu. Je vais remettre. Hop. Qu'est-ce que. Pourquoi ça n'a pas fait mon anime. Ma transition. Elle est passée où ma transition? Bah écoutez, c'était très très cool. Merci, merci de m'avoir accompagné, Guillaume, sur cette découverte de Mr. Prepper. Je pense qu'on y retournera un peu sur ce jeu parce que c'était rigolo. Mm-hmm. On se retrouve demain pour. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on ferait demain? Demain, on fait quoi? Demain. On fait du Austranauts. Alors vous allez voir, demain à 18h, on se retrouve pour Austranauts. C'est un jeu de l'espace, simulation spatiale, alors qui est très exigeante. Attends, je vais vous dire combien d'heures j'ai sur le jeu. J'ai 4 heures et j'ai pas décollé. Ok. Vous comprenez un peu le délire? Enfin, en fait, si, j'ai décollé, mais alors en 4 heures, j'ai eu le temps de recommencer la partie environ 10 fois, parce que j'étais mort, enfin, je me suis crashé environ 10 fois. Et en vrai, j'ai à peu près maîtrisé les bases du jeu, donc c'est pour ça que je me permets de faire un stream, parce qu'au début, je me suis dit, ah, oh, ça a l'air trop bien le jeu et tout, je vais faire un stream. J'ai voulu juste lancer le jeu pour voir, je me suis dit, c'est tellement compliqué, si je fais un stream, on va juste passer 2 heures à rien piger. Donc ça va pas être très drôle. Donc du coup, je me suis dit, je vais apprendre un peu le jeu avant de le faire en stream. Là, je pense que j'ai à peu près les bases, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est intéressant, il manque encore pas mal de choses, le jeu est en développement, mais c'est à mon avis un jeu qu'il va falloir suivre de près. Mais on devrait quand même bien s'amuser, vous allez me voir galérer. Le principe en fait c'est qu'on commence le jeu dans une espèce de petite navette et on va devoir en fait aller dans un... Il y a plein de vaisseaux en fait qui traînent dans l'espace, des épaves en fait, et il faut qu'on entre dans un de ces trucs là et qu'on arrive à le réparer pour récupérer un vaisseau, un vaisseau de taille. Donc en fait c'est, il faut jouer en fait avec les ressources qu'on a, on démarre avec très peu de ressources et réussir à réparer juste ce qu'il faut de vital dans le vaisseau pour qu'il fonctionne, genre avoir l'oxygène et machin pour pas juste qu'on meure dans d'atroces souffrances, parce qu'évidemment au départ on n'a pas de combinaison pour l'espace et tout, enfin on a juste des combinaisons fermées hermétiquement, mais t'as pas de bouteille d'oxygène et tout, enfin bref c'est un bordel, vous allez voir c'est assez rigolo, donc je vais vous montrer ça demain. Et puis ça sera à 18h. Jeudi à 21h, on partira sur Cartel Tycoon. Pareil, un jeu dont j'avais fait la démo. J'ai passé. L'autre jour, j'y ai rejoué. J'ai fait 7 heures de jeu déjà ce week-end. Donc le jeu est assez prenant et assez sympa. Je vous le ferai découvrir aussi. Et puis vendredi à 18h, c'est l'Exode qui vous retrouvera avec Black Sad. Moi, je serai pas là. Et puis voilà. Le parrain. Ouais, c'est un peu ça. On joue plus. Là, c'est plus. Comment ça s'appelle Pablo Escobar.
C'est Pablo Escobar Simulator en fait. Cartel Tycoon. Et il est assez stylé, il est assez drôle. Et il y a vraiment la gestion tu sais, de l'argent sale et de l'argent propre où tu as vraiment littéralement des paquets de pognon à enterrer. Tu sais plus quoi en foutre et t'en as trop et tu sais pas vraiment où le mettre. Et c'est assez rigolo. Du coup, sans plus tarder, je vous dis bonne soirée, bonne journée si vous regardez cette rediffusion aussi en journée. On se retrouve demain. Merci à tous ceux qui sont passés. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci à ceux qui font des dons. Vous êtes tellement généreux. Je vous aime. et merci Orchida aussi pour les petites emotes. Je vous les montrerai tiens, en stream demain. Là, j'ai pas pris le temps. Mais je vous les montrerai parce qu'il faut quand même il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je vous souhaite donc, comme j'ai dit, une bonne journée, une bonne nuit. Portez-vous bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve demain. Ciao tout le monde, des bisous. Tchuss.